No. Heureux. un invité de marque oui un invité que j'aime beaucoup tu as un nouveau show Mol Alpha ouais, ouais. Ben là, on va le présenter probablement. Ouais. mais c'est écrit dans la... c'est écrit Louis t. ah ben mais okay. ben oui mais ah, je, je sais pas on clique c'est écrit Louis T. ils le savent mais ah, ben oui, oui mais ok mais comme peut-être que les gens ils le savent pas tu sais on, on parle peut-être à des gens aveugles et mm. ou euh, je sais pas so malentendants. Dire so ouais malentendants. <laughs> un podcast saut so c'est mais... ordinaire. c'est vrai c'est drôle mais sont bons les animateurs de radio particulièrement tu sais de ramener le nom régulièrement le de la personne puis de manière naturelle, puis c'est ouais. important. Parce Alors fois, vous, Louis T, vous pensez que ouais, ça, ça. c'est bon, ça? Ouais, parce y toujours des gens qui, a, qui arrivent à la radio, mon ouais. podcast, c'est écrit, c'est ton char, Louis T. Ça, je serais curieux, moi, quelqu'un qui commence les podcasts à 37 minutes. Tu sais, je sais pas, qui arrive, là, puis qui commence pas au début. Euh, euh, il y, a y, en, y en a qui arrêtent à 37 minutes, ouais, ça, le ça beaucoup. Êtes-vous capable de ne pas finir un podcast? Moi, j'ai vraiment un gros sentiment euh, d'inaccompli. Je vais finir un podcast même que je n'aime pas. Oh, comme un wow. livre, mettons? Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça, me, ça me laisse un sentiment Nous, de. Nous, des fois, on fait 2h40 sans savoir qu'est-ce qu'on va dire. Fait que Je ouais. sais que les gens abandonnent puis ils font bien. Hmm. Mais ouais. je, comme j'écoute peu de podcasts de 2h40 par contre. Mais ah, sauf ouais, hein. que si j'en commence un. Tu vas le séquencer? On va le finir éventuellement. Okay. Est-ce que c'est la chose pour Twitch? Si tu pars un Twitch de 10 heures, tu écoutes le 10 heures au complet? J'ai aucune idée de ce que tu viens de dire. <laughs> OK. Twitch, mmh. ton cauchemar. Twitch, ouais. Je, ben, je, je connais le nom. Euh, je peux m'imaginer un peu c'est quoi, mais je ne suis jamais allé. Ah, as je ne sais enfants, pas si c'est un. Savoir, ouais, quoi, dans Twitch. pas longtemps. Ouais. Je te tourne les fans. Si j'ai un... Non. OK. C'est-tu un... une app ou c'est un site oh, J'ai aucune idée. J'ai posé la question pour savoir parce ça va, que. Ça va-tu, Phil? Mais ben je sais question. pas. On ouais, parle techno, ça. là. Prends-tu pour moi? Mais cest un dessus. site web ou c'est une application? Mesdames et messieurs, on va expliquer c'est quoi OnlyFans? Ben, c'est comme il faut, faut payer pour des. Ouais. Ça, ça, je comprends le principe aussi. aussi. Mais c'est-tu comme qui gît? hein? C'est comme Snapchat? OK. OnlyFans, c'est comme Patreon et pour la prostitution. C'est des gens, souvent, qui montent leur corps nu. Un abonnement et tu peux voir leur corps nu. Non seulement tu as de l'abonnement, mais tu as une relation avec la personne. fait que Tu peux chatter avec la personne et compte de l'argent sur tout le, tout le temps Tu tout peux ta... toujours chatter avec n'importe. Euh, 24-7 un... euh, les, les plus prolifiques, les, les ouais. professeurs les plus prolifiques engagent souvent des hommes ouais. pour pouvoir répondre 24h sur 24 à tous les abonnements. J'arrive même pas à chatter avec Koudo. 24 ouais. h sur 24, mais tu me dis qu'onlyFan a un service à clientèle. C'est ça. Un... <laughs> genre, si j'ai des problèmes de Wi-Fi, <laughs> ouais. je peux-tu appeler… Euh, comment ça, comment ça s'appelait la pornstar que t'as nommée, libanais Mia Khalifa est pas sur oui. OnlyFan, je voilà. crois. Ou peut-être, ouais. peut-être. Mais, ouais. genre... mais Elle, elle est-tu encore, elle, il pornstar? Fait? Non, elle, a beaucoup elle est, plus, est ça, hein? ouais. Ouais, ouais. Elle beaucoup Non. Elle est plus, c'est ça. Parce de... que je la vois passer sur Twitter, euh, parce qu'elle est très politisée aussi, puis elle fait des affaires, fait que je pense qu'elle a changé de métier. Oui, ça fait des ah, années qu'elle fait… Ah, euh, il y a plusieurs années, elle faisait beaucoup, beaucoup de, de podcasts sur le sport. Mais ça, c'est un métier qui, euh, qui traîne star. longtemps. Oui, tu veux dire, ça, ça peut prendre très, très. Ça fait peu. En fait, ça peut faire de nombreuses années que t'es plus porn star, puis les gens vont encore parler de toi. Tu vois, je pense toujours l'être. Je pense c'est vraiment. C'est si comme un ancien athlète. Tu n'arrêtes jamais d'être un athlète. Ah, oh, tu les, 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 ouais, les, les gars RDS, c'est toujours une Ouais, Les gars RDS, tu le sais, c'est qui les anciens joueurs. Je comprends. Je pense que c'est la même chose avec les, 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 les vedettes de films de. Ancienne porn star, ouais. Pornstar, mais, oui. mais, mais sauf que ton, le contenu reste tellement. Il y a des gens qui doivent parfois se masturber sur des vidéos qui pensent récentes. Mm -hmm. Puis que c'est genre en 2002 puis qu'elle est rendue vieille, là, la fille. Là. Ouais. Ça doit arriver. C'est toute une phrase, ça. Mais oui. <laughs> <laughs> Peut-être des, 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 des même morts. Ouais. Alors, là, des, des, des pornstars stars mortes puis ouais. le monde ne le savent pas. C'est bizarre hein, quand tu penses à ça. C'est particulier. Mais généralement, je, ça c'est moi, moi qui parle. Quand on se passe tout, on ne réfléchit pas beaucoup. C'est beaucoup l'instinct qui prend le dessus. T'es bon, toi. T'es capable. Ouais, T'es dans toi, le tu moment es... présent. Ouais, T'es bouddhiste, <laughs> est-ce-tu, pour penser de même? Carpédienne. C'est quoi ça? <rire> <rire> tu réfléchis pas à l'impact que ton action a au moment présent? Pas vraiment. C'est bizarre, ça. Pas vraiment. Vous, messieurs, sur quoi vous masturbez? Hum. Je ne vais jamais répondre à cette question-là, Thomas. Yes, là. Le genre. Genre, qu'est-ce que tu dis Moi, j'allais parler d'une tablette, un iPad euh, Air. <laughs> j'allais parler à ah! toi. T'allais dans la métaphore. <laughs> non, j'allais vraiment sur dans quel appareil. Ça fait, il est sale. Il est très sale, ton iPad. Ben... Mais toi, tu étais un des premiers à avoir un iPad que j'ai vu. Il euh, allait dans les soirées d'humour avec mmh. un iPad. Sur scène, des fois. Sur scène. Fois. Ouais. C'est très impressionnant. J'ai gagné le concours de l'Abitibi euh, il y a plusieurs années. Je me suis okay. plus quelle année exactement. Puis, il m'avait remis de l'argent. Puis, tout de suite, en revenant de l'Abitibi, j'ai arrêté à Laval au Apple Store, m'acheter mon iPad. Je suis allé faire le concours pour m'acheter un iPad. C'était ça mon objectif. C'est vrai. C'est pas à ce moment-là que tu as fait je suis peut-être autiste. Non. Okay. Puis en plus, ton iPad, ça, est il était cassé. Ça, je m'en souviens ouais. aussi. L'écran était craqué? fracturé, Mais oui. Le, mon iPad Air aussi, mon iPad Pro sont toutes craqués parce que j'aime pas euh, l'épaisseur quand on leur met une protection. Puis je finis toujours par les échapper rapidement. Ah. Ils sont tout le temps craqués. Mais c'était comme très impressionnant. Puis ça faisait vraiment l'humoriste baller qu a quand tu arrivais au Saint-Cyboire avec ton ouais. iPad. Là. Avec un costume en plus. J'avais le iPad euh, avec trois. 3G, là, avec le, le, oui, oui. le réseau. Fait que j'étais capable d'aller sur du Internet, n'importe où, sur un écran relativement gros. À l'époque, c'était impressionnant. Non, non, c'était très impressionnant. Ouais, Moi, je, ça m'a marqué. Je vous parle là-dessus. Où oh, tu achètes tes costumes? Des complets, plutôt. J'en ai plus. J'en achète oh. plus. Tout ce que j'ai en ce moment de complet euh, me date de plusieurs années. Euh, c c en fait, j'ai que des Tiger Sweden. Ouais. J'en avais une quinzaine, puis je m'en suis débarrassé peut-être de... Je n'ai gardé deux ou trois. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas pris de complet. Pourquoi tu arrêté parce que c'est vraiment inconfortable. Je trouve ça vraiment inconfortable. Ah ouais! Oh, ouais. Puis là, Même je suis quand rendu, ils sont bien ajustés. Enfin, je suis rendu... La seule chose qui pourrait me, me faire reporter des complets, c'est que là, j'ai des pubs sur mon Facebook de complets genre euh, de, de, spa, de Des complets de Tom Cruise, des... J'ai que des pubs de complets, mais élastiques, là, pour les, les gars qui font du ben monde des extraits non. De, de cascadeurs en complet. Puis je fais non. comme ça. C'est sûr que c'est des tissus de merde, c'est oui. du polyester qui... qui non. Mais ça. Je pourrais en porter parce que ça a l'air confortable. Mmh. Et sinon, des vrais complets euh, en, en laine ou euh, je ne suis plus capable. Comme là, je porte que des vêtements techniques. Moi, je mets que des vêtements de golf. Mais là, tu es en ta phase euh, d'ad. Euh... Oh, ouais. Le, la casquette Under Armour, t'as yes. quoi des New Balance en plus? Euh, non, c'est des Reeboks. C'est plus de shoes. Euh, là, ah t'es oui. dans ta phase. J'en ai plein de couleurs. Là. Oui, juste, ok. J'en ai comme cinq couleurs de main T'es cauchemar main de fil? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Toi, t'es mon cauchemar. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais. <rire> mais <rire> check ce que tu portes! Mais je ne sais pas, pas ce que je vais porter sur scène dans mon prochain spectacle. J'ai réfléchi à ça. Mais là, vu que je fais beaucoup de bars, de bordel et tout, je suis dans le confort. Puis mais un un mais peu moi, de aussi moi aussi je là, fais ça. Moi aussi je fais ça. Très euh, axé confort. Puis quand... La pandémie me rend. La pandémie, ouais. on a été confortable. Oui, ouais. 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 mais comme moi aussi quand, quand je monte sur scène, comme a, euh, au début début du processus, je suis toujours j'ai besoin d'être loose. Mais, mais mettons l'aspect chemise pantalon euh, juste ça, t'es. J'aimerais ça, mais j'ai pas le ventre assez plat pour faire ça. Ben, le... très, moi j'ai des petites jambes, mais c'est ça de longtemps. Mais c'est vrai là, que j'ai vraiment des petites jambes particulières non pas tant que ça mais moi, je sais, au gym. Ouais, je sais mais mais tu pourrais porter un pull en laine, un beau pull mais ou pas nécessairement en laine parce que c'est chaud là mais genre tu pourrais Tu parles sur scène là. Oui, sur scène. Ouais ouais, j'y pense là, j'ai des un cardigan, genre de jeans, c'est ça. Je pense à ça mais euh, un pantalon, euh, une chemise, juste une chemise rentrée dans le pantalon là, ça me, je suis pas beau moi, ça me fait comme deux petites cannes, ouais. une espèce de puis j'ai un torse très court, tu sais. Fait qu'il faut que je porte mon pantalon bas T'sais, je ne le porte pas à la vraie hauteur ah. euh, Je sais pas si vous comprenez. Là, oui, je hein. le mets plus bas pour essayer d'équilibrer mon haut puis mon bas. Là. Mais pourquoi Jim tu n'as pas plein de jambes Je ne fais pratiquement que des jambes, mais ça, ça grossit, grossit pas. pas ben, C'est ce qui est le plus dur à grossir, particulièrement euh... les mollets. Mais non, des jambes, ça grossit. C'est très difficile de faire grossir des jambes. Mais tu pourrais. Euh, mais tu pourrais Il euh, y, y a plein d'options. Si tu si es complexe, tu pourrais avoir euh, quelque chose d'ample quand même. Ouais. sais Des pantalons plus amples, mettons, avec y une chemise. Ben, ben, un mais il y a un problème qu'il n'y a pas. Non, non, ce que je fais, c'est je porte il des pantalons pour... sur comment il va s'habiller sur scène. Moi, je suis là pour ça. Ouais. Là. <laughs> <t> <laughs> moi, j'ai plein de suggestions. Moi, j'ai une idée, tu sais, si tu fais de, de l'humour, mets des t-shirts avec des jokes. Ouais. Comme <laughs> ça, les gens, ils savent. Non, mais ah, ça va être drôle. C'est clair. Le t-shirt est comique. Ouais. On va s'amuser. Mais je sais pas comment. Je sais pas, je vais faire affaire avec une habilleuse. T-shirt noir, jeans bleus, le classique. <laughs> ouais. Euh, pantalon de J'aime pas les jeans. J'aime pas la texture du jeans sur mes jambes. Moi, je suis d'accord. Sauf que. Non, c'est vrai, ça m'écart ouais. aussi. Ouais, le, le, le C'est la conversation hein. la plus autiste que j'ai jamais <laughs> entendue. Deux gars des vêtements sur leur corps à quel point ça, la sensation est pas bonne. C'est pas le fun. Mais c'est extraordinaire. Hey, j'ai déjà. <laughs> Histoire de ça, je devais faire la une du Véro Magazine il y a peut-être quelques années, 4-5 Con, ans. consécration. 4. Ouais. Oui. Mais j'étais pas seul. C'était comme quelques personnes, là, ouais. Ah, oh, euh, il... le, 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 le numéro, ils font les inspirations. Ouais, dans... ça. Oh, oui. Ils disaient le, thème... le thème. C'était-tu le thème? C'était-tu les noirs? Puis il y avait juste toi. <laughs> <laughs> Puis là, j'ai fait, je me sens pas très malade Février ou juillet, hey, juste vous rappeler les noirs existent, on les aime. C'était genre plus, mettons, sur la diversité. Puis des la même. De voilà, les dit, noirs. Fait que j'aurais fait l'une du, du, du magazine Véro, mais il dit, voici euh, un peu le choix de, de couleurs qu'il faut que tu portes. Puis c'est d'un un jean. Il faut que tu portes, pis donné, faut que aies un jean. Puis j'ai fait, non. Fait que j'ai refusé la couverture. Parce que des, je ne voulais pas porter de tu as des principes. Voilà, ouais. tu as des principes. Tu as des principes, Louis. Oui, c'est Oui, oui, oui. Oui, je prends ça pour des principes. Ouais. Oui, ça, oui. Tu es contre le Donin. Ouais. Puis quand tu sais en plus que c'est quoi les usines de Donin. <laughs> euh... OK, je vais le dire. Ils ont, ils ont des maisons pour euh, Autistes. Oui. Mais il n'y aurait plus de sensibles à cette. Non, mais ils l'ont compris. Ils en ont fait Ah oui, OK, s'il ne veut pas porter ça, il n'y a pas de problème. « Mais tu fais pas couverture. <laughs> » <laughs> Je sais pas s'ils ont été si, on si compréhensifs que ça. Non, mais ça arrête été... Hey, Elles sont super belles, leurs couvertures. Tu imagines tu tout le monde en jeans, puis moi en jogging. Ah <laughs> <laughs> oh, oui, <laughs> je trouve que c'est réussi. quoi c'était quoi? Il aurait fallu que je sois dans les bras à Véro, puis Louis, <laughs> comme un grand <un> adulte <rire> autiste. <rire> Génial. J'aurais que Louis me donne un bec sur la tête. <laughs> ça, va <bien rire> ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est un nouveau spectacle. Ouais. ouais. Molle alpha. Ouais. Pourquoi? Hey, Pire euh... question, pardonne-moi. Hey, c'est tough parce qu'il a fallu, comme je le défends, le justifie le thème. Pourquoi? Qui est... Non, mais je veux dire, j'ai fait des entrevues pour lancer le show. Puis là, le monde me, me met à, se met à me poser des questions sur c'est quoi les moll alpha, c'est quoi ta ouais. lecture de la masculinité au Québec. Et je tu, tu l'as fait comme ça. ok, j'avais pas tant réfléchi. À... Je commence à le faire, là, tu sais. Mais euh, parce que pour la petite histoire, euh, j'avais pas de titre, j'avais pas nécessairement de thème à mon show. Puis c'est ma gérante qui vient voir des rodages, puis elle me dit Tu parles beaucoup de masculinité, d'hommes, tu fais beaucoup de gags sur ta masculinité, euh, sur l'homosexualité, plein d'affaires comme ça. Puis j'étais comme Ah, c'est vrai que je parle beaucoup des hommes, mm -hmm. mais j'en étais pas tant conscient. Puis à partir de là, je fais comme Ben, pourquoi pas faire le show autour de ça? Ça s'est imposé à moi. Puis je pas écrit, je ne suis pas parti. De euh, l'idée du mal, puis là, on va là, explorer. qu'est-ce que je pourrais dire aux gens. Ouais, l l de... ouais, okay, ouais. fait que je espèce d'arborescence. Est-ce que tu te considères comme étant un homme, un vrai? Euh, ça, euh, euh, oui. Mais c'est ça, je voulais vous poser la question à vous autres aussi. On Moi, je. Hey, euh, tu sais, le, le, le cheminement là, qui m'a mené un peu à ce show-là aussi, là, c'est que les dix dernières années, j'ai beaucoup écouté les femmes et les minorités. T'sais. Euh, leur doléances, euh, ce qu'ils trouvent qui était injuste à la société. Puis je les, La majorité du temps, j'ai comme j'ai écouté, puis j'étais d'accord. Tu sais. Je fais comme oui, j'entends, ouais. c'est vrai que c'est tough, puis c'est vrai que c'est dur. Tu sais. Puis pendant cette même période-là, quand des gars disaient un peu comme Hey, t'as l'affaire, euh, moi je trouve que ça c'est difficile à faire j'avais tendance à minimiser puis peut-être un peu ridiculiser ça, fait comme Ah, oh, sérieux, là. Mais là, j'essaie de me réouvrir un peu et d'entendre plus ça. Tu sais, D'écouter. Euh, les doléances des hommes puis leurs défis puis leurs enjeux euh, mais j'ai encore de la difficulté dans le sens où hein, je perçois pas la société comme eux la perçoivent mais je veux pas ridiculiser leur misère ouais. tu sais quand j'écoute des gars faire comme c'est dur on rit de nous telle affaire moi j'ai comme l'impression ben, c'est pas si dur que ça la société pour les gars mais je veux pas les ridiculiser je pense quoi. que euh, puis, puis je comprends mais je pense comprendre ton point mais tu sais C quand on dit, ah, c'est facile pour les gâtis, ce dont on parle, qu'on est des, les hommes de facto sont un peu plus privilégiés ouais. que les femmes. Ouais. Moi, je pense que là où, où, où le. le puis, c'est pas une, une pensée que je cautionne, mais je suis comme toi, j'ai essayé de comprendre, en fait, parce que c'est souvent spontané, puis automatique, puis surtout viscéral comme réaction de c'est pas vrai, tu sais, moi aussi, je suis dans la rue, puis j'ai de la misère à trouver des jobs, puis tout, puis. Je pense Je parle de que ces, ces hommes-là des fois qui disent est on est plus Phil, on suicide plus puis on est dans les errants exact. c'est des C'est mais mais j'ai l'impression puis puis j'ai l'impression que en vrai il y, y, y a une confusion entre mettons une, une organisation systémique peut-être même systématique puis des problèmes carrément personnels en fait qui sont beaucoup qui ont beaucoup plus à voir par exemple à de la santé mentale individuelle à un milieu qui a strictement rien à voir avec ton genre ou ton sexe c'est à dire que si tu grandis dans la pauvreté ou même si tu grandis dans le luxe puis que tu pas as pas reçu de l'amour puis l'encadrement nécessaire que tu sois goffé tu as vu des problèmes puis je pense que il y, y a cette espèce de confusion qui est arrivée avec les doléances, je trouve que c'est un très bon terme, plus que des revendications. Là. Mais, mais je pense que moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est qu'il y a une confusion de, des besoins sociaux qui dépassent, d'après moi, les genres, même si c'est vrai que quand tu regardes n'importe quelle problématique sociale, il va y avoir une espèce de ben, concentration généralement euh, démographique. Et ce groupe-là va vivre plus d'enjeux, mais ça ne veut pas dire que dans ce groupe-là privilégié, qu'il n'y a pas des gens qui ont des enjeux. Exactement. Aussi, mais souvent leurs enjeux sont pas liés à leur, démographie, à, à leur euh, sexe, à leur genre. ou ouais, en tout cas, c'est un système, en fait. Puis, tu sais, le fait est que, je veux dire, quand tu regardes les 60 dernières années au Québec, mettons, ou en Amérique du Nord, dans la société occidentale, tu n'as pas le choix d'admettre que l'homme blanc, hétéro, c'est le modèle de l'homme. Premièrement, il y en a un. Deuxièmement, il favorise un modèle, en fait. Puis après ça, je pense que c'est cette confusion-là qui vient que quand tu rentres dans cette, catégorie-là, puis que toi, tu vis pas ce, arrièrement ce privilège-là, comme dis... les boomers, tu sais. Ben, le, les boomers, vrai, dit, oui. Les boomers sont riches. Euh, ils ont eu la, euh, la meilleure génération, la meilleure société. Ils ont, accès la ils ont accédé à la propriété. Mais il y en a des boomers pauvres. Ouais. Ben y en oui. qui n'ont pas ouais. eu des gros jobs, puis qui ne sont pas syndiqués. Exact. Puis il, seul... il y en a des honnêtes. puis il y en a des, Mais ça doit être ça, je comprends justement. Ça doit être des fois fâchant quand on te dit, tu es une génération qui va qu'on On s'occupera pas de toi, ouais. mais toi, dans cette génération-là, tu es ça ne va pas bien. Oui, ça, exact. Ça, comme ça invalide. OK, ben moi, je suis qui de part? Pourquoi moi, ça ne va pas bien si tu me dis que toute ma génération va bien? T'sais? Mais je pense que c'est aussi, puis le problème qui invalide ça, c'est que personne nie le fait que, par exemple, les hommes y ont des problèmes de dépression, que personne... Moi, je n'ai jamais entendu ça. Là, que... Mais ce n'est pas mis de l'avant. Non, c'est Ce que j'entends, c'est que sans le nier, on, on a passé quelques décennies, avec raison, à s'intéresser aux problèmes de d'autres groupes prioritairement. Puis peut-être qu'il y avait un rattrapage à faire. Puis je pense que ces gars-là... Euh, mais c'est pour ça que moi, je me... Mais autres. Mais vous... Une frustration, je pense c'est très... Mais c'est que ça s'exprime souvent en frustration puis en opposition. Mais je peux ouais. une, frustra... une frustration masculine que je peux comprendre, c'est de se faire dire... « Les hommes, vous parlez pas. Les hommes, vous parlez pas. Vous parlez pas de vos problèmes. » quand il y a un homme qui se dit ben, « moi, j'ai des problèmes. »« je trouve, Ben non, c'est pas des vrais problèmes. Ah, »« ouais. Arrête, le voyons ah, ouais. donc. » Ça peut être frustrant de toute faire dire « Tu parles pas. » Puis quand on parle, on parle, mais parle pas de même. Tout ouais. le peu, poids aussi, aussi des erreurs du passé ou de d'autres. D'autres hommes, ton père puis ton arrière-grand-père a fait ça, tu sais. Ouais. Donc, tu es un peu en partie responsable. Donc, maintenant, tais-toi. Puis, tu sais, je le conçois, moi, le principe, tu sais, que faut, les hommes doivent écouter un peu plus, puis se taire par rapport ouais. aux, aux autres qui ont à dire des choses. Mais quand toi, tu viens juste d'arriver sur terre, là, tu viens juste. Tu sais, toi, c'est ta période, ouais. là. Euh, moi, je me mets dans la peau là, pour comprendre le ouais. générale parce que je trouve qu'on fit quand même bien dans la société. Nous, je pense qu'on s'est trouvé un équilibre. Oh, ben. Je ne sais pas pour vous, là, mais ouais. moi, j'ai pas de gros enjeux par rapport à ma masculinité qui non. peut être atypique ou weird, mais euh, je, je, je la trouve bien la société. Là, je vivais à l'adolescence ouais. et en début de l'âge adulte. Ouais. Là, j'avais plein de questions, plein de ouais. frustrations, mais depuis le début de ma vingtaine, ça se passe ouais, ça. Que, toi, Phil, parce que je, as eu un parcours un peu ouais. aussi, puis tu t'es cherché. Moi, je pense aussi que si Andrew Tate avait existé quand j'avais 20 ans ou genre 17 ans, je l'aurais écouté sur TikTok, là. S'il y avait eu TikTok. Malheureusement, le problème que j'aurais ouais, il Ils m'ont toujours fâché, ces gars-là. Oui? Ils... Ouais, t'as pas parce eu une que... quête, t'as pas voulu être un, un peu Fred plus Durst. musclé ou. Hein? Oui. Non, oui. j'ai jamais trippé sur Fred Durst, premièrement. Tu connais ses <laughs> vers par cœur? Non. Je connais. Premièrement, je connais, pas, je connais deux tunes de Limbiskit, ouais. puis je les connais pas par cœur, puis c'est les deux tunes qui ont le plus joué en 2003. Fait qu'on va, on va, on va se calmer. J'ai jamais cherché à avoir la petite casquette rouge, deuxièmement. Puis troisièmement, le, 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 dans ce sens-là, oui, je veux dire, je suis insatisfait, mais ça, c'est un problème beaucoup plus que rapport au fait que quand j'étais petit, j'étais en bon point, on m'a ridiculisé mmh. là-dessus. Donc, l'espèce de perfection corporelle, c'est une obsession qui... Et rattaché à un, un exemple de masculinité, ça c'est évident. Là. Mais, mais mettons, moi, ça m'a toujours fâché parce que j'ai toujours. Je, je sais pas, je trouve que c'est tellement pas ça l'existence. T'as pas, pas eu une petite période un peu masculiniste où tu sais. Ben, euh, ma les masculinité. Femmes un, un, voir les femmes non. un peu en bas puis toi, vouloir te. En non. fait, elle, elle s'est manifestée peut-être si, si ça a eu lieu. Ouais, S'il que... y a un gars qui aurait jamais été le même, c'est lui. Ah ouais. Mais, mais comme, comme si elle s'est manifestée d'une façon, puis probablement que c'était plus maladroit que, que, que c'était à travers le, la, le, comment dire, la, la, la bienséance, l'élégance, le côté un peu macho, j'ouvre la porte. Tu sais, ah comme oui. espèce de, de, de côté un peu conservateur, puis peut-être, par la bande, maladroitement réducteur. Mais, mais j'ai jamais adhéré à... C'est moins à pire que Andrew Tate. Mais, mais, sauf mais que, oui, sauf Mais, que, sauf que, que mais parce qu'il qu y, y a un positionnement même dans la société, hiérarchie. Mais oui, puis j'ai toujours détesté euh, le modèle du mal alpha, là, pour le citer, j'ai toujours détesté ça parce que je trouve que ça correspond à pas grand chose, sauf peut-être dans des, des segments vraiment comme tu es dans une tranchée, tu es en guerre, tu as besoin d'un leader pour aller. Il faut, après, être, il faut de la testostérone à certains moments dans la société, et ces moments-là sont de moins en moins. Et ils Pré sont et, et présents. – Oui, et, genre, euh... et voulu en ouais, passant. Ouais. Je veux pas être en guerre, je veux non, pas être non, dans une ça. tranchée. Puis après ça, l'organisation sociale s'est construite que c'est vrai qu'on on part... Euh, puis en Amérique du, temps, du Nord, ça fait peut-être moins longtemps, mais on part de, de territoires qui étaient tribaux, littéralement. C'était des tribus qui habitaient, puis c'était des guerres tribales. Fait que t'avais l'organigramme de base, c'est-à-dire le chef du clan. Puis le bon, mais on n'est plus ça. Puis je pense pas que une société en santé c'est une société qui est basée sur une espèce de pyramide tribale ouais. comme ça. Mais le que déjà ça arrive ma... peut-être vite qu'il y a des gens qui se sentent un peu encore là. Mais c'est normal. Que le glissement dans la société doit être un peu tough, comme quand il euh... y a des changements technologiques ou économiques. Absolument. Donc, que de la même ça à se retrouver là. Mais sauf que. Mais on valorise t'sais... encore la force, on valorise encore la, ce qu'on appelle en guillemets, la, la virilité. Ouais, tu sais, on. Moi on... je vais au gym. Tu, tu oui. Les trois au gym. On euh, non mais <laughs> au gym les non, gars le, le, on est au gym <laughs> le, lever un divan là tu sais ou faire des affaires des fois là t'as besoin de force oui blonde, oui on est à tout ça pratique mané de soi fort là tu sais il y, y a un côté pratique aussi puis après ça je fais pas des bruits de singe là non ouais, mais mais non mais c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre ouais c'est le le coup le, le, toi, dans, le on, check le mais le plus d'aller au gym c'est faire des bruits de singe ouais écoute tu parles big là gros à quoi ça sert pomper non mais mais ouais tu sais je vais je vois au gym je pense la même chose t'aimes pas ton gym mais... Ça a changé. Okay. changé ça gym. a changé? Okay. Ouais. Moi, je vais euh, au CrossFit, là, puis il faut pas trop faire attention avec tes préjugés avec ça, mais il y a une belle... A... C'est moitié filles, moitié gars, puis il euh, y a des gars beaucoup plus forts que d'autres qui vont donner des conseils aux main... Moi, je trouve qu'il y a une belle solidarité, il y a une belle culture qui n'était peut-être pas celle du CrossFit parce que j'en avais fait plus jeune il y a 10, 10 ans, c'était peut-être un peu plus. Je pense qu'ils sont fait tellement ridiculiser. Ouais, mais il... mais c'est très cool. Oui, notre oui. coach, c'est une fille, puis elle respecte les limites de ouais. chacun. Elle dit il faut pas que tu te blesses, attention à tes épaules. Ouais. C'est vraiment sain. Là, Moi, je suis d'accord que le gym, ça a changé entre ouais. quand j'y allais au foot, puis là, c'était performance à tout prix, puis versus aujourd'hui où là, tu as plein d'accès, puis genre, tu L'âge change, change, parce que quand tu y allais, tu avais comme 13, 14, 15 ans. Tu avais des profs un peu zélés. Oui. Ouais, puis leur... il y avait une quête de foot mais, aussi. Ouais, là, les, mais les modèles de santé aussi ont ouais. changé. Tu veux dire, tu peux avoir un culturiste, puis lui, c'est son type d'entraînement. Tu peux avoir quelqu'un d'autre. Moi, c'est du cardio. Je veux d'autres qui veulent courir un marathon. Et... Puis tous ces gens-là, dans la performance, ouais. peuvent se retrouver. Ouais. Mais c'est des des formes différentes de santé. T'sais. Mais tu sais, tu parlais des modèles masculins, mais je veux dire. Regarde le modèle, mettons, de masculinité des années 80 dans, au cinéma versus ouais. aujourd'hui. Tu sais, il racontait. C'est un... qui aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, Timothée à... Chalamet, mettons, là, c'est un modèle. Ça dépend pour qui. Non mais c'est ça, ça qui... dépend parce pour je qui, je pas... qui parce yeah, que yeah, yeah, je yeah. peux yeah. 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 tourner yeah. en région puis ils connaissent pas non, tout, non, ils traitent pas toutes. Tout tout de non, tu raison mais mettons 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 Léo DiCaprio, ou Brad Pitt, ça a été un modèle de masculinité pendant un bout. Puis là tu en as qui ont trippé Brad Pitt Fight club. Mais c'est surtout beauté versus mettons moi je pensais Arnold. tu as raison, Non, c'est ça, ça c'est les années 80. Mais ça ça tu vois, tu sais, il n'empêche qu'il est pluriel parce que il a un moment j'écoutais un cool. Les années 80, moi je suis capable. Moi je juste avant les années 80, c'était aussi beaucoup beaucoup la Musique des androgynes. ouais il y a ça, c'est vrai. Aussi. Ma monde ouais. capote le un métal, tous les androgynes. Mais justement, tu sais, on parle de modèle de masculinité. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est d'en avoir plusieurs. Puis moi, ce que j'aime dans ma position, ma posture, c'est que j'en écoute des films d'action, puis des fois, je m'imagine dans ce gars-là, -là, ouais. puis je fais comme peut-être des gueules, là, ça, ça vient chercher un petit côté. Ouais. Puis y il y a d'autres fois qu'un gars, tu me dis Timothy, qui joue dans Dune dans oui. Tout, puis je fais comme, ah, tu sais, il a vraiment l'air de bien vivre avec sa masculinité. Pete Davidson, qui a l'air d'être un Stonehead qui bande de même avec une graine de huit <rire> pieds. Il y a plein de formes, puis je fais comme, un, il, y a, il y a des jours que je fais un ouais. peu plus comme ça que d'autres, mais c'est intéressant de pouvoir offrir ça, tu sais. Non, puis aussi, je trouve que tu as, as raison, non seulement c'est important, mais il y a, y a aussi l'aspect que. Euh, c'est qu'ils sont, euh, comment dire, ils sont valorisés dans leur à leur façon ouais. aussi. Tu sais, Timothée Chalamet, il, il, il vient chercher quelque chose chez Du Monde versus Jason Statham ou Vin Diesel. Mais, ouais. mais tu sais, mettons, le shift, moi, je trouve qu'il est arrivé dans les années 70, parce que quand tu regardes les acteurs... Puis euh, Tarantino parlait de ça en, en parlant de Once Upon a Time comment ils ont construit le personnage de Rick Dalton de qu -ce Léo qui était hey, mais Brad Pitt dans ce film là, là ouais. pis, ça, tout le monde a un 50 à ans. dire quel âge qu'il a ouais, ans <laughs> quand ah, il non, est, non, est sur ça. le sur le toit de, du billet. Ouais. même j'étais avec ma blonde puis c'est comme faut que tu pèses sur pause. »« quel âge qu'il faut les googler tabarnak tu peux pas être côte de même <laughs> incroyable là, mais euh, mais il racontait en fait que Rick Dalton sa tragédie je trouvais ça vraiment intéressant c'est quel dit, personnage Rick? c'est euh, Léo DiCaprio qui est l'acteur qui est, la, l acteur, l acteur qui est comme un chus. peu déchu. OK, puis l'autre, c'est le cascadeur. C'est le cascadeur. Okay. Okay. Puis X. Qui est déchu. Oui. Mais qui, lui, est plus euh, hippie-cool. Il vit plus avec les tourments de l'existence que Léo. Là. Il vit mieux avec ça. Mais il racontait, en fait, le personnage de Rick Dalton, donc de, 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 du personnage de Léo. C'est qu'en fait, à cette époque-là, comment ça marchait, les studios, c'est que. Exactement ce qu'on ce qu voit dans le film, tu commences par un film, un peu de, une série d'action cowboy. boy Là, tu le beau gars, viril, tire du gun, euh, tu les méchants, en gros, c'est ça ta fonction. Puis, là, à un moment donné, tu commences à arriver dans le cinéma. C'est le modèle de Paul Newman. C'est le modèle un peu de euh, tout, toute cette génération. Le Brando, il a un peu échappé parce que c'est une, une. Il est plus vieux. Oui, non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais c'est toutes tout, des comédiens que nous, on a connus, mettons, dans les films de nos parents, des négociants, mais qu'on voit leurs photos en noir et blanc, puis c'était la gueule carrée, puis les réactions. C'était toutes des rôles virils, qui jouaient mm -hmm. dans des trucs virils, puis à un moment donné. Gars, un, gars. Un, un Steve McQueen, mettons. Puis. Au moment où il raconte le film, en fait, l'action se passe, c'est le shift hollywoodien où là, on a des acteurs comme Pacino, comme euh, De Niro, comme Dustin Hoffman, qui sont des petits gars oui. un peu plus... Ils ont la même carrure. Ils sont sensibles, sensible, ouais. carrés, euh, exactement, qui jouent des, 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 des drames intérieurs. Ils des... ont là des juifs. Ils ont commencé à avoir des acteurs juifs à l'écran, ce qui n'était ah, pas avant. Il... Ouais, ben ça, je ne sais pas. Là, mais ah, Ça, c'est ton complot, ouais, Thomas. Ouais. Ça, c'est mon obsession. Ça, il y a mes trois, ton... <laughs> trois noms, trois noms, <laughs> puis il dit c'est tous des juifs. Non, Hollywood, euh, mais Hollywood. Les acteurs n'étaient pas assez. je ne pas sûr qu'il est juifs Je pense qu'il est plus stallo-américain que juif. Mais il y a eu un peu plus d'acteurs juifs. Oui, non, mais. Ils sont petits, c'est ça que tu veux dire? moins musclés sont plus sont pas moins musclés mais souvent l'idée correct c'est pas grave sont un peu plus féminins sont un peu plus féminins sont un peu plus sensibles ah ouais? Ah, ça se peut. Culturellement, ça se peut qu'ils parlaient plus de leurs émotions, je, ouais, je, je sais pas. Je sais pas, mon non, non est, on plus. Est, on a shifté Mais, euh, Woody Allen, mettons, est-ce que t'associes ça à un homme musclé qui... Fucking... Ben ça. un ouais, gars... J'ai à la ça un gars, je suis pas sûr... Est-ce qu'il est représentatif des Juifs? Ouais, c'est ça. Mais alors, euh, Mel Brooks, Mel Brooks, Brooks leur... c'est plus petit. Mais ils sont allés vers la comédie, en plus. C'est ça, le ouais. Mais n'empêche que... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, il y a eu un chiffre pour ouais. vrai dans la culture populaire de c'est quoi l'homme. Tu sais, c'est plus les Cary Grant, c'est plus les Gary Cooper, les hommes un mais, peu… Mais est-ce qu'après ça, le, le ressac de ça, ça a été que les gars oui. d'action après ont été colissement musclés? Ben oui! Parce que dans les années 80, c'est les oui. culturistes qui sont devenus ouais. les… C'est vraiment ça Chouard qui est arrivé? Chouard Chouard t -t arrivé. Non, c'est… Ils ont pris un univers. Ils ont les gros musclés et les petits juifs. Fait que là, il y a comme Hollywood de oui, puis t'es arrivé au milieu de ça comme une colombe venue du ciel, Léo, là, qui est comme Léo. venu faire la, la paix entre tout le monde. Là, mais... Il C'est surprenant, puis c'est bon au signe, là, mais la shape qu'il y a pour le charisme ou pour le sex appeal qu'on y a. Ben, c'est là que tu vois comment le gars, il est exceptionnel. Oh, mais tu là. penses? Ben, tu vois-tu? Est, il vois est-tu vraiment ou c'est à cause de ses films qu'on a créé un Mais ben Non, mais gars, à 100 ou... on sait pas, il est qui. Il s'est caché. Ouais, ouais. Fait qu'on le voit juste des photos une fois de temps en temps, comme par hasard, toujours avec des mannequins. Puis. Je veux dire il, il, il Mais il y a une shape normale tu sais une shape totalement normale sauf que ben oui il y a normale, une il y a une shape normale, j'en connais j'ai 56 oui, amis pareils que Léo. Tu sais comme John Hamm, il y a une meilleure shape que Léo, mais je veux dire c'est ses yeux. C est, c est que c'est que mais il y a pas son aura déjà mm -hmm. puis il y a pas le mystère. Puis tu sais Léo, Léo l'enfer c'est qu'il a quand même fait des rôles virils, c'est ça qui est comme tu sais ouais. Gangs of New York, après ouais. ça, il a fait l'aviateur dans Departed, il fait quand même des trucs. Exact, il fait des gars virils. Fait qu'on on on y associe une certaine, entre guillemets, virilité, masculinité, mais dans la vie, je sais pas, il est comment. Moi, je ben pense non, dans, est -il dans la vie, telle, il y a l'air masculinité, toxique. il y a l'air. Ouais, ouais, moi, je oui, ben, avec il, des filles de 23. Exact. Puis tu hein. vas dans un club, là, je pense que ça veut dire que t'es pas sur la bonne traque, là. Comme... Mais tous ces acteurs-là, ou toutes les, les vedettes qui ont vécu une enfance traumatique, là, en c'est les... difficile de les juger adultes parce qu'ils ont eu une cassure quelque part ah oui, dans leur vie, Oui, mais les gens, ils disent, puis comme, ben, on en connaît, là, ils disent comme ça bolduc <laughs> le plus toxique du milieu. Ouais. Non 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 mais <laughs> spécialement lui. Non mais, mais comme quand tu euh, quand tu vis genre un, un genre de choc de vedettariat, tu sais du jour au lendemain pas sûr progressif le mais ah ouais. mais il paraît que tu arrêtes psychologiquement d'évoluer ah ouais. à l'âge que tu <gasps> Ce qui Quand... est horrible pour les gens, justement, des téléréalités, ben les... parce qu'ils étaient déjà pas loin. Ouais. Puis là, est, non, ça non, oui. Non, non, mais oui. Tu vois les, les enfants ça, vedettes, là, tu les, sais, comme... Aussi les sportifs. Non, mais on le dit ouais. en humour. Euh, Je pense que c'est Mike qui disait, mais Mike Warren, mais il citait un humoriste américain qui disait c'est rare que tu deviens meilleur que ton premier succès parce que ouais. quand tu as ton premier succès forcément ça, ça fige quelque chose dans ta personnalité dans, dans, dans ton style cynique que tu risques de reproduire à partir de là c'est mieux d'avoir galéré souvent longtemps avant ton premier succès ça je sais pas si tu, quand tu le vis tu le penses mais je ne sais pas dans quand tu le vie mais ce que je veux dire c'est qu'on regarde de l'extérieur ouais. tu j'écoutais un, un, un podcast sur les, euh, sur les when les one It wonder mm -hmm. les gens qui font qu'un seul succès ouais. dans leur vie souvent en musique il y a d'autres choses aussi mais puis la seule. La, ils disaient. La, euh, eux, ils analysaient plein de gens. Puis la meilleure prédictabilité de ne pas être un One It Wonder, c'est d'avoir fait, d'avoir galéré ou testé beaucoup de choses uh, avant ouais. ton succès. Quand ils regardent les One It Wonder, c'est des gens qui ont eu des succès tôt. Fait qu'ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter. Un succès arrive. Et l'esprit humain, comme il est, bien, tu vas recourir après mm -hmm. ce succès-là. Puis tu vas peut-être pas oser essayer d'autres choses. Tandis que les autres qui ont réussi à avoir des carrières plus éclatées, ils avaient fait des erreurs avant leur premier ouais. succès. Fait que qu ça ne m'étonne pas que. Donner du succès à un adolescent de 15 ans, c'est une... pas lui rendre service. Ben non, c'est... À service. moins d'avoir une espèce de... Ben, Je sais même pas si ça se peut... Mais en sorte que maintenant, moi j'ai un... Ben oui. J'aime beaucoup le Arctic Monkeys, ils sont un peu plus depuis j'ai 18 ans, puis ça va très bien. Oui, oui, mais... Ça mais... peut arriver, mais tu sais pas combien on... ils il donnait même dans le podcast. Les Beatles, qui ont eu un succès relativement tôt, mais avant d'avoir leur succès, pendant cinq ans, um, ils ont fait plein de choses dans les bars. Là. Ils ont essayé tous les styles Anna de Man, musique possibles. Ils en oui, fait tout pendant quatre, cinq ans. Fait qu'il y avait quand même beaucoup d'expérience avant. Je ne sais pas si fait... ah, moi, je me trompe. Là. Les Beatles, au début, c'était beaucoup du « yeah, yeah, eux Oui, mais ils ont fait beaucoup de stage time avant voilà, leur succès. voilà. voilà, voilà oui, ça. Les, les, la force des Beatles, c'est que c'est un des rares groupes qui ont, qu ont, qu ont eu ce que tu viens de dire, un succès immense, et ensuite, ils ont expérimenté. Oui. Ce qui est quand même exceptionnel, mais sauf que c'est pas la prédictabilité non. de ce que les gens mais vont faire. Mais les Beatles, c'est quand même le Ben unique. Là, bref. Ben oui, euh, ouais. vraiment là. Mais je veux dire, que... c'est pas talons. Euh, non, mais tu vois, de... mais tu vois, eux, ils correspondent aussi à cette espèce de shift qu'on passe de la, de la masculinité, les gars avec les cheveux longs, un peu, un peu frêles et tout. Mm -hmm. c'est plus juif. Non, c'est je sais pas. gars, <laughs> hein? Non, mais tu sais, avant, avant ça, là, les tournées, là, tu le vois, c'est Elvis qui est un exemple, qui est comme un non. peu l'épicentre de la nouvelle culture populaire. Mais, mais je veux dire, Elvis, c'est un, un modèle de masculinité. Puis encore le contesté, hein, c'était très sexuel à l'époque, Elvis. Fait... Oui, c'est encore. Un, il, est, il est particulier, Elvis. Il est très, très, très fort, mais un peu féminin. Il a pas de barbe, jamais. Non. Il a, il a un visage un peu. Euh... Mais vraiment, ouais, mais en même temps, c'est une époque où il n'y avait pas de barbe. C'est dans le sens qu'il n'y avait pas cette masculinité-là de bûcheron qui existait pas dans les années 50. Bon, en cas, 60, pas mis Tout de le monde avant. était très clean. Vrai. Ouais. Ouais. Vrai. Fait vrai. Que je pense qu'il y avait une barbe. Vrai. Mais, mais pas, était... pas, pas il... sur scène. Ouais, c'est pas un imberbe. Moi, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais il y avait les favoris des années 70. Oui, c'est ça. Il avait du poil. Oui, c'est ça. Mais le symbole de la masculinité dans les années 70, tu sais, quand tu regardes tes parents, c'est vraiment... Des, ouais, des est gros. Du ouais. le les gros, le poil. Le ouais. poil, ouais Mais je sais pas. Le, la, On la... Est en est où, là, le poil, ouais. en 2023? Les deux. Euh, oui, mais pas dans le dos. C'est un, un poil. <laughs> tu raison. mais tu comprends, dit. Non, mais ouais, c'est un dit. poil. C'est bien dit. C'est un poil dressé qu'on a aujourd'hui. C'est pas, pas un vrai poil des années 70 C'est un mes Poil d'apparat. Oui, c'est ça. C'est un poil contrôlé qui ouais. est vraiment. On... Je veux ça. Ouais. On a ouais. décidé que c'est ouais. là que ça l'look. C'est pas le pas poil qui décide. C'est moi qui décide. Ouais, ouais. Est ouais, on est pas dans on le dos. C'est universel. Le... Personne veut on a. gagné ça, les gars. On n'a pas tout perdu. Les a qui veulent. On avoir du poil en avant, mais pas en arrière. C'est vrai. C'est ça. les whois qui nous enlèveront pas ça. C'est plus facile à faire pousser celui en arrière. Ça c'est qui est plus facile. le plus dur. Je me suis déjà acheté une machine euh, sur Instagram qui rase le poil de dos. J'en ai un, moi, un rasoir à dos ça, ça que j'ai acheté aussi sur euh, moi, Amazon. Ça marche pas. pas l'espèce le de gros rasoir euh, qui, qui fait mal, mais ouais. à l'épaule, pas, ouais. pas, pas honnêtement au dos, mais j'ai ah. des rougeurs après. Ah, ouais. que j'ai des rougeurs. Mais moi j'ai beaucoup de poils de dos puis ça me fait chier. Je trouve pas ça. Je, je, je trouve pas ça esthétique. Non. Mais c'est parce que je suis j'avais acheté sur Groupon euh, 10 séances de dépilation. De, ouais. Puis j'étais allé juste à deux, puis je me suis découragé après c'est c'est une grosse erreur. Fait oh. elle me rasait, elle me fait un peu d'épilation, puis ça repoussait x10 après. Oh, Comment Fait que je pas aller jusqu'au bout. C'est comme les antibiotiques. Ouais. L'épilation, c'est comme les antibiotiques. Faut que tu ailles jusqu'au bout du, du traitement. Je suis Sinon, euh, tu crées des poils. Euh, Fort! Ça, c'est un conseil beauté. je poils des poils. Qui résiste et qui. Mais j'ai les oreilles aussi. J'ai beaucoup de poils ces oreilles. Moi, Comme une personne âgée, Mais je le vois au soleil des fois dans mon miroir. moi aussi, ça me fait souvent peur. Mais la fameuse joke de louis josé c'est pour ça que je pognais ce super écran depuis trois mois. est très bonne. Un long poil est vraiment bonne. Mais tu sais... Mettons, là, pour revenir à, à ton exemple, j'écoute un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Félix Degle okay, qui est coach en okay. fitness, FD Fitness. Tu sais, tout ça pour dire que. Hein? sur euh, Non, mais il fait son podcast aussi. Puis, euh, euh, puis en même temps, je salue Coach Alex. Ce pas de la trahison, c'est juste que mmh. euh, Félix, il. Félix, Fé 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 je sais pas, il me fascine. Puis, euh, positivement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, quoi, il racontait qu'il un... euh, recommande aux gars, il, il fait vraiment, tu sais, comme du mentoring de gym, un peu, là. Ce qui peut être super glissant, là. Moi, je oui, me oui. doute que si c'est toi qui en parles, c'est que c'est positif. Ben... Mais là, c'est le genre d'affaires qui circulent très... sur TikTok, que les gens dénoncent des podcasts. Je, de... je, le... je pense pas qu'il s'inscrit là-dedans, en vrai. Okay. Fait que c'est pour ça. Mais, mais allez voir, faites-vous votre idée. Mais moi, genre, tu sais. Je peux te dire que le gars, il a une rigueur, puis il est très sympathique, au demeurant. Néanmoins, il racontait juste, et puis c'est ça pour, pour ça que je veux le citer, c'est que il racontait qu'à un moment donné, il a fait une, une, il est très ouvert sur le fait qu'il entretient sa peau parce que c'est, mm -hmm. est très dans le, le wellness, puis qu'il a posé un, un truc sur un sondage, le whatever, sur Instagram, genre. Qu'est-ce que tu suis, c'est génial. Euh, oui. euh, que dans le fond. C'est quoi votre perception d'un gars qui se met de la crème? Puis, genre, apparemment, la vaste majorité, c'est comme semi-perçu, bizarre. Ah ouais? ouais, c'est non mais moi, je mets de la crème depuis, depuis que je fais de la télé, entre autres, mais je mets de la non, crème. Non, non, mais, mais, mais exactement. Sauf que ce que je veux dire, c'est que mais moi, je voyais quand même un progrès malgré euh, l'espèce d'aigre de, de, de doux de la, de, la, de la statistique, mais c'était comme. C'était Non, c'était comme, mettons, 35 trouvaient ça tout à fait correct et convenable. 65, étaient comme, je sais pas, c'est bizarre. Je comprends que tu en parles pas. Je pense que, mettons, ma blonde, que j'aille des crèmes, c'est correct, mais je ne suis pas sûr qu'elle veut me voir les mettre. C'est un peu ça. Non, mais il y a comme un… Mais n'empêche que, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand on parle de ça, c'est que le modèle masculin, je trouve qu'il a évolué aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu sais… C'est non seulement accepté, c'est valorisé. Puis en plus. Il n'y hey, a pas si longtemps, il y a 15 hey, ça ans. A ça aurait été très, zéro. Ça aurait été homme rose tapette. Oui, genre. Ans, ouais. Non, non, mais. Ouais. c'est quoi le, le terme? Métrosexuel. Là? métrosexuel. Métrosex... Un homme qui. Ça, c'est. Il porte un ouais. t-shirt ouais. rose un peu, un peu, un peu skinny. Non, oh, même pas. C'est un homme qui se lave. Non, non, oh, non. C'était ouais. un métrosexuel. En fait, fait, le métrosexuel, la définition, mais genre, je me souviens, il me semble c'était. Évidemment, c'était comme le 7 jours. Pourquoi Alors, euh... Sébastien mais, Benoît, c'est un métro-sexiste. Ouais, c'est ça. fait que c'était pas valorisé. Non, c'était. En fait, c'était Il y, fait, y avait, il en avait, mais c'était pas valorisé. L pour la définition vrai. qui a été dans un magazine à grand tirage pour expliquer aux gens, c'était quoi C'était un gay hétéro. OK. C'était ça, la définition de métro sexuel. Ben, c'est à la fois weird <laughs> <à l 'époque rire> et très clair. À l'époque, où être gay, est <laughs> est à est comme parfait. À l'époque, être gay, c'est une insulte. Mm. Euh, oui, sauf non, que c'était pas ça. Ça se un dans un archétype de comportement gay. Mais là, ça. lui, mais, en, il se il rend pas loin. En 2004. De... Ça. En 2004 ça. tu disais à un gars, Yo, t'es quoi, t'es-tu gay? Je suis pas gay, là, voici oui. pour la raison pourquoi 1, Bien. 2, non, 3, 3, 4, 5. C'était plus l'époque où. Je, je suis content qu'on envoie à TV, mais on est-tu obligé d'en voir autant? C'était ça, ouais. c'était ouais, l'époque. C'était l'époque. quelqu'un quelqu qui fait attention à son alimentation, et ouais. puis ben, c'était Souvent, les, les, la communauté guide devait faire plus attention à leur corps. Mais tu as raison qu'il y avait de l'homophobie. Mais, mais oui, je pense que je suis pas sûr que le séjour, c'était homophobe quand ils disaient ça. <laughs> Moi, j'avance ça. <laughs> le séjour, en 2004. <laughs> C'était homophobe. C'était un magazine homophobe. Ouais. Il y avait le Fugue, puis il y avait le Séjour. Ouais, ouais. <laughs> un gros C'était la guerre d'Empire. C'était de la guerre. <laughs> mais, mais non. Souvenez-vous hey, que Guillaume Latendresse avait fait la thune oui. du Fugue. En, euh, puis je sais pas à quel point c'est vrai. Là, il je le sais, savait pas. Il genre... savait pas que c'était un magazine gay ouais. ou pas. Là. Oh, génial. Puis, 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 je ne suis pas sûr Oui, si oui, non, vrai, non, ça. il l'avait raconté, il me semble. Ouais, mais je. Je sais pas si c'est vrai qu'il savait pas. Oh. Tu comprends tu je pense que je sais pas si après pour se dédouaner dans la chambre fait que moi on me dit enlève ton chandail écrit, je, je m'entraîne fait j'ai dit oui je sais pas si Ah euh, oh, ouais mais parce en même est comme temps avec des pantalons d'hockey de oui, mais, mais torse mais... nu ce qui est très correct Et pour joueur aujourd de Aujourd'hui il je gagnera je à dire qu'il savait. Je suis sûr qu'il pensait que c'était pour des filles. Il ah pensait ouais. que genre calendrier de pompiers un Playgirl. Ouais ouais ouais. Fugue. C'est pour les filles en fugue. C'est pour les filles. Qui... C'est un magazine pour les proxénètes, ça. Hein? Tu penses qu'il a fait ça pour les filles? J'ai l'impression, c'est possible. Ça se voit dans ses yeux. Ouais. Ouais. Ça se voit qu'il pense à une fille. Comme George Michael pensait à des hommes quand il écrivait ses chansons, lui, oui. il pensait à une fille. Pendant quand... qu'il faisait le cover du fugue. Ouais. Ça se peut. Ouais. J'y crois. Ouais. Mais, mais n'empêche que. Ouais. Il, il y a de quoi génial dans l'érotisme dans gay? Dans l'érotisme gay, c'est pas mal, pas mal de codes hétéros. Que, je, ben pour de vrai, là, je ne sais pas. pas, pas l'érotisme que 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 gay, ben, j'ai de la misère à savoir c'est quoi. C'est un champ de. C'est un joueur d'hockey. Ben, je ouais, fugue. Ouais. dans l'érotisme ben. gay, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup Ah, beaucoup ah de... Tu veux dire dans la très masculinité Parce que c'est quoi l'érotisme gay C'est pas un domaine que je maîtrise. Moi, je peux Un peu pire. Ouais. L'érotisme gay, il y a beaucoup, 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 il y a beaucoup de codes hétérosexuels. C'est beaucoup dans les chambres d'hockey. C'est beaucoup de muscles. Je veux dire le... Mais c'est pas un code hétérosexuel. une chambre de hockey. Si je tripais ces gars, je triperais sur une place qui a 22 gars nus. C'est ça? OK, mais c'est pas, pas, pas un code hétéro. Il n'y a pas beaucoup d'homosexuels dans l'hockey. Ah non, non, ça c'est clair. Même... Ben, Déclaré. Oui. Ouais. Oui. Je dois pense... en avoir 10 au moins comme partout ailleurs. Partout hein? ailleurs. Pareil pas... que c'est au football. Je me souviens quand on était jeune, le on disait qu'au football américain, c'est là qu'il y avait le plus d'homosexuels. Ouais. Ce qui n'a pas de sens. Oui. Pourquoi? Je, sais pas, je veux dire, il n'y a pas d'explication. Pourquoi le football n'aurait pas. Euh, ben, il y a plus d'hommes. Le, le, le football américain, c'est où il y a plus de gars dans l'équipe. Il y a plus de tout. Ah ouais, mais là, ah, là, je parle ouais. en pourcentage. T'sais. Dans le sens que si on dit ah, a plus, a gens... ouais, ouais, je moi je, je parle de pourcentage d'équipe, je te parle pas de il y a 4 gays par oh. équipe au football, ouais mais il y en a 150 oh, joueurs. Je comprends, je comprends, Non, 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 mais, <laughs> ouais, mais c'est vrai, pourquoi le… Pourquoi ça serait un sport plus gay que les autres? Ben c'est quand même, un... c'est un sport où les gosses frappent, un gars se frappent, c'est très physique, le... c'est très spogné. C'est comme la marine il paraît. hein il y a beaucoup gay de oui. Dans dans oui, ouais. ouais, parce qu'il y a mer Ah, à l'époque mm -hmm. Ouais, ouais, dans, dans les sous-marines. Ouais, c'est une, un... de... ouais, une manière de partir. Ouais. <laughs> ouais. In, In the Navy, navy c'est une Navy de Wyoming. De... une de... navy où? De... Non, mais... Avec d'autres gars, puis faire l'amour. Ouais. Ah, les pirates aussi, ah, okay. aussi c'est très gay. Fait gris. que genre, même les potes gays ils finissaient par faire ça un peu. Ouais. Donc, c'était une place que tu pouvais vivre. T'avais ton boys, OK. C'est le village people. La toute non, engine... En prison aussi, je pense qu'il y a des gays qui allaient volontairement en prison, non? Ça, je, <rire> <rire> je sais pas, man. Si tu fais un crime, pour de vrai, parce que... Pourquoi je irais en prison pour coucher avec des hommes? Coucher avec des hommes, c'est assez facile. Euh, ben, as maintenant, crime. mais je pense que c'était plus difficile avant. C'était même juste, relativement criminel. Ouais, ça, ouais, c'est ça. Genre, avant Stonewall, là, comme ben, ouais. même à Stonewall. Il ben, y a dedans. eu des arrestations à, dans les années 70 à Montréal. Oui, là, oui. La police débarquait Moralité et arrêtait des gays. Oui, oui. Puis des histoires de. Mais moi, j'ai lu une histoire épouvantable de, de barres euh, lesbiennes où les filles se font carrément. violées. Euh, violées hein, oui. en se faisant Par des là, parce que tu connais pas les. Ouais, oui, oui. Ah, ça m'étonne pas, pas parce mais c'est aurait... pas un bon gars dans ta vie. Puis... C'est il y a pas si longtemps ça Ben non, ça fou, fait hein? genre à peine. En fait, nos parents ont connu ça. Ouais, là. ça. Quand nos parents ont 60, 70 ans, quand eux, ils avaient 18, 20 ans, il y avait des affaires qui étaient dangereuses ou totalement inacceptables. Ouais. Ce qui est fou, raide, là. Mais ça fait. Oui, c'est ça. Mais tu vois, heureusement que ça évolue. Mais, mais genre. Il ben, y a encore des. Genre, ben, tu sais, en fait, bon, c'est anecdotique peut-être, mais dans le quartier gay, il y a de l'insécurité. là Il y, y a des gays qui disent qu'il y a des dos de, des fois, ou des groupes ben de oui. gars qui vont crisser ouais. des volets. Non, mais des gays. Euh, ça arrive encore. Ponctuellement, t'entends. Puis là, euh, là j genre, malheureusement, les, les derniers exemples ont, lieu, ont eu lieu en région, mais. Il y a un, euh, un, un designer euh, qui s'est fait frapper avec Jean son Roldi, chum je le dis mais ça c'était pas non non c'est <laughs> <c> à <laughs> cause de <laughs> des madames ouais, c'est ça, des... ça, des... au sein d'une madame dans le <laughs> sein de chum qu'est-ce que tu vas dire que ma femme est laide? non ouais, mais je veux dire non mais comme n'empêche que c'est vrai que euh, ouais. euh, ponctuellement Il y a de l'homophobie oui violente violente là tu sais je veux dire puis ça fait pas longtemps à un moment donné j'étais dans une ville puis mon ami marchait main dans la main avec son chum puis t'as quand même un gars qui a... Trouver intelligent, c'était ça son message au monde, de ralentir, ouvrir sa fenêtre, puis de crier à ce petit tapette, puis de continuer. Mais, en apaisant euh, sur le gaz... Il a eu que, peur, il a eu peur, il a accéléré. Euh, non, mais, mais tu sais, Dieu sait que la réponse de l'intelligence, c'est ça... Apaiser ouais. sur le gaz dans la vie, c'est un signe d'intelligence, là, à la base, là. C'est de la virilité mal placée, ridicule un peu, mais tu sais. C'est clair que, la, la somme toute, la société, je pense qu'elle s'améliore, qu'on parle de racisme, de sexisme ou d'homophobie, tu sais. Mais on est peut-être passé en 50 ans de 60 d'homophobie à 10 Mais quand tu es la Résistant, personne gay et que 10 de la ah oui, est, est contre toi, est ben, ça veut dire qu'à chaque jour, ton quotidien peut. Tu sais, mettons. Euh, on, a, on a des amis, on a des collègues, des fois, mettons, arabes, puis je pense que la société est moins raciste qu'avant. Mais quand toi, tu es l arabe, le 10 de raciste. Il Ils peuvent t'insulter chaque jour. Parce ouais. que c'est ben comme oui. 600 000 Québécois. Là. Fait que tu sais, c'est ça qui est tough un peu. Fait que on dit, la société s'améliore, ça va mieux, il n'y en a plus beaucoup de racisme. Il dit ouais, mais crèche, j'y croise chaque jour, moi. Mm -hmm. ouais. Ça me pourrait à vie pareil. Là. Mais non, mais c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait contre le 10 de, de, de retard comme ça, tu sais? <laughs> je sais pas s'il faut les appeler retard. Non, peut-être peut pas. Ouais. Ironiquement, <laughs> peut c'est un terme qu'ils <laughs> utilisent. <laughs> ouais, non, c'est ça. Il ouais. ne faut pas dire ce mot-là. Oh, euh, je man. te le parle dans le show de ce tu parles de ce mot-là? Les mots utilisés pour parler de santé mentale, là, les, les mots adéquats. Puis après ça, je me dédouane puis je fais des jokes là L'idée, c'est de dire comme je suis conscient. Parce que l'humour aujourd'hui, c'est très ça. Hein? Je ne sais pas si vous le vivez de... Il faut quand même. Euh... Moi, j'en parle beaucoup parce que le monde il il se questionne par rapport à mon public est plus woke, je pense, que la, une, le ouais. public moyen des Québécois euh, des spectacles euh, d'humour, Plus que Miller McLeod. Mais... Ouais. Euh, mais euh... Je sens, moi, en, en 10-15 ans de carrière, là, je sens qu'il y a eu un changement où l'intention doit vraiment être claire maintenant. C'est-à-dire, même pour faire des. des une prémisse où tu, ils savent pas encore où tu t'en vas, il faut vraiment que tu leur dises Voici, tu sais, je pense ça, je, je pense pas ça, je pense mm -hmm. ça, voici vers où on va s'en aller. OK? Moi, Et là, on peut faire les jokes. Je l'observe avec TikTok, L'ironie marche pas. C'est ouais. ironique sur TikTok, ouais. ça ne passe pas. Oui. Parce ne que. Passe pas. Par crainte, je pense qu'il y a une frilosité que je peux comprendre là, de, de les gens se braquent dans le, la peur qu'il y ait des gens qui rient pour les mauvaises raisons. je pense hein. qu'eux, ils comprennent ce que tu sais, mettons, ils vont dire Louis, t on sait ce que tu penses, mais là j'ai vu un dos de rire de ton gag que je suis pas sûr que c'est pour la bonne raison, donc je préférais que tu fasses pas ces gags. là Excellent. Et là avis. tu fais c'est tough en humour. Voici ouais, ce que je propose aussi, le médium. Avant on prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps avec une œuvre. On s'en ouais. revêt de vont y aller. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Mais fait tu parles des le réseaux de... sociaux, mais moi je le vois sur scène aussi. Sur, mais sur, sur, sur... si toute ta, vie, toute ta journée tu es sur les réseaux sociaux, ah ouais. puis tu es habitué à rapidement comprendre c'est quoi, c'est quoi quoi point puis avoir une C'est la même chose dans une salle de spectacle. Ah ouais. On est maintenant comme ça. Moi, en rodage, tu je viens beaucoup euh, dans adapter les textes pour comp, comprendre le feeling, de la réaction du public là, mais j'étais au terminal là, il y a quelques semaines, puis euh, littéralement une fille qui a fait comme non, ça ça, ça se dit pas pendant un spectacle là tu, sais. oui? là, tu fais comme ça, 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 ça surprend ça tu sais je fais oui, comme, ça, attends, là tu, tu, un tu sais même pas où je m'en vais, tu sais pas c'est quoi le ton là, là, tu du numéro ça dans la prémisse Elle, dans une dans un début de numéro mais okay. tu C'est comme non ça ça se dit pas puis là je fais comme après ça je peux pas juger l'ensemble du public sur une personne qui est peut-être euh, tourette, non, non, non. à la limite puis qui parle beaucoup là tu sais, mais sauf que je le sens beaucoup ça moi je ah, vois ça, là, ça arrivé le public vidéo, là ça. qui tu sais tu fais comme euh, mais t'aimes pas ça jouer avec ça? Ben je, oui, j'aime ça, mais c'était plus facile de jouer avec ça avant. Ouais. Moi, mon style, quand je regarde mon premier spectacle, puis mes premiers numéros d'humour, j'aimais beaucoup dire de quoi un peu choquant. Mm -hmm. Puis après ça, les gagner, puis faire mon point, puis nuancer. Après. La méthode Louis C.K. un ouais, peu. Là. Tu commences avec une, une phrase qui est quand même qui va. T... Ok, ça, ton, ça, ça te, ça réveille. Là. On peut plus vraiment faire ça, moi je trouve. Tu moi, je peux me foutre avec les conséquences. Ouais, c'est ça, mais sauf que ce que j'ai observer c'est que si tu fais une phrase comme ça qui crée une tension euh, quand tu finis par faire tes gags ça fait juste désamorcer la tension il y a pas de rire dans le sens où ce que tu dis quelque chose ils font comme Wow! tu t'en vas avec ça puis là quand tu finis par faire tes gags ils font comme ah, ok c'est correct je fais Ouais, mais vous avez jamais ri tu sais, genre, ouais, fais, ouais, avez, ouais. on a oublié le rire dans l'étape mm -hmm. parce qu'ils sont juste soulagés que t'aies pas été euh, aies pas dit des choses déplacées parce qu'avant, ça pardonnait plus mais j'essaie de faire un cheminement je comprends peut-être qu'il y a un, y a tellement eu des blagues maladroites que le monde se sont rendus racistes euh, et sexistes. Ils se sont sentis trahis souvent pour te donner le bénéfice du doute. – Voici ce que je propose aussi. C'est intéressant. Okay. Aussi, aujourd'hui, il y a des conséquences. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui ouais, mais sont ça, humiliés sur ouais, mais Internet. C'est mon enjeu à moi. T'sais, dans ça, je ne te demande pas d'avoir. Je ne pense pas que ces gens-là pensent à ma carrière. Ou au je pense que beaucoup de gens ont peur de. Parce qu'ils ont confiance je en toi les... de rire au début d'une ben, blague, Il y a, des, y a des Et gens une manée, ont... tu t'en vas au, à mauvaise place. Pour <coughs> comme, Chris, tu me fais rire de quelque chose de raciste mais, finalement. Il y a des gens qui sont pas euh, artistes, qui ont perdu des emplois parce qu'ils ont dit des choses pas correctes ou qui ont utilisé Oui, mais... mais les gens dans leur salle, je, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens où oui, il y a des conséquences, puis ça, c'est vrai. Mais ça, ça s'imprègne, ça. ça, ça. Mais, tu, mais les gens dans la salle, on peut pas avoir peur des conséquences de rire d'une mes joke. Je crois. Je On ne va pas des... les canceller. Je ne vais pas faire comme, hey, tout le monde, au oh, ris! où tu travailles. Je crois. <laughs> c'est vrai, c'est bien dit. J'ai l'impression, je peux me tromper, qu'on a intégré maintenant, au 21e siècle, en 2023. On s'en va de tout ça, mais il y a une longue période où si tu disais pas la bonne chose, si tu ne tweetais pas la bonne affaire, oh, oui. dans une réunion, oui. tu disais quelque chose de déplacé. Okay, d'accord. Tu peux perdre ton emploi. Je suis d'accord oui, avec ça. Il y, y, y a une censure, une autocensure censure ouais. préventive qui nous habite toutes ouais. et qui est pas malsaine dans une certaine mesure. C'est l'excès qui est problématique. Ben ouais. Moi, moi c'est aussi que je pense que... Ah, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, dans, dans, dans... Je trouve que déjà, je ne suis pas d'accord avec la prémisse qu'on ne peut plus rien dire. mais pas la prémisse. Non, non, exactement. Mais je fais juste… Non, non, mais c'est juste pour clarifier que s'il y a du monde qui pense qu'on est en train de dire ça, ce pas ça du tout qu'on dit. ben ils penseront. oui, mais ça Non, mais c'est parce qu'on veut pas faire le jeu des gens qui disent ça Exactement. Ce n'est pas ça la question en ce moment. C'est que la façon de s'exprimer, tu as raison, moi, je trouve qu'elle a changé. Mais moi, je trouve pas… Je trouve ça vraiment intéressant de jouer avec cette tension là je, je puis puis je la découvre puis des fois tu dépasses puis ouais. moi c'est là c'est là où j'ai un malaise c'est que en testant la limite on va puis c'est ça le propre de l'humour on va nécessairement faire des erreurs puis il y a des pas grave. oui non c'est pas grave dans notre monde ouais je comprends. dans notre monde c'est pas grave dans notre travail, euh, dans, dans notre façon de cheminer, mais eux, nous, ils sont là une fois. C'est ça. Nous, on a le code que quand tu es dans un comédie club, peu importe sa forme, mais qu'un comédie club, c'est entre guillemets, puis entre guillemets parce qu'il y, y a beaucoup de nuances, mais il y, y a un côté chambre de joueur de hockey dans la mesure où ce qui se passe au comédie club. Un genre de safe space, d'une liberté, ou oui, d'un laboratoire. un safe, safe, safe space d'excès, mais, mais tu as raison, puis je comprends ça aussi. Puis en fait, c'est drôle parce que je m'écoute, puis je, dis, je parle il y a dix ans des plus vieux humoristes disaient la même affaire on peut plus faire de jokes de fif là t'sais. Fait que ouais. je fais comme ah t'as je suis en train mais de, moi c'est ça la faut que je mette à jour mes codes faut que je mette à jour mes exact. méthodes aussi t'sais. puis puis je pense que tu sais tant que ça ça va rester parce que tu sais pour vrai moi au bordel je sais que c'est arrivé deux trois fois que j'ai fait des jokes que moi, moi en les ouais. en les disant sur le coup j'ai fait eh, non ouais. ça ça puis ça pas aller loin en passant le bordel moi je trouve que mon public est plus frileux que le bordel oui oui moi je fait des numéros bordel là, il y a le public qui est dans une ben espèce d'euphorie puis un, un beau euh, ils sont tellement bien accueillis, ouais. ils comprennent tellement le travail, on leur explique, l'animateur ou l'animatrice va dire euh, il y a une réputation a... Ouais, en ouais, plus, exactement, pis... fait que, genre moi je trouve que c'est dans les publics les plus ouverts. Ouais. Après ça je char de là des fois je fais comme ah, OK. Tu que ton public est aussi. Je voudrais dire progressiste. Moi là, je paie je payer je... le prix ça serait un peu ingrat de dire ça parce que ça serait méchant envers eux, mais mes capsules, mes interventions euh, mes textes euh, ont toujours été sous forme quand même très éditoriale et euh, très progressiste parce que c'est mes valeurs. Mm -hmm. Fait que ça attire un public qui presque voudrait ce genre d'éditorial-là assez unidirectionnel de critique que les conservateurs, que ça, que ça, que ça. Et, et moi, j'ai plusieurs facettes dans ma vie. Et sur scène, comme beaucoup d'humoristes, hein, on fait de la télé, on fait mm -hmm. des affaires, tu fais des capsules de philo, tu fais plein de choses. Mais quand on est sur scène, c'est notre petit côté taquin qui sort. Ouais. Puis j'ai... Puis c'est un art que j'aime beaucoup, l'humour. Puis j'aime ça quand ça transgresse, quand ça joue, justement, comme tu dis avec l'attention. Moi, j'adore ça, que quand quelqu'un n'est pas sûr, puis après ça, je réussis à le gagner, puis à le faire rire. Fait que j'ai un public qui ne s'attend pas nécessairement à ça de moi. C'est pour ça, versus euh, le public de Mike Ward, où sa, sa carrière est plus en, euh, en, en équilibre. En, sa, sa carrière est assez claire, tu sais. Mm -hmm. ouais. Son personnage de scène, son personnage de podcast, son personnage de télé est pareil. Le même gars. Moi, j'ai comme un petit côté journalistique militant, j'ai plein de choses fait que c'est ça moi mon enjeu avec mes salles. Je pense que toi je sais pas si tu le vis, je l'ai pas encore vu ton dernier show, je vais aller le voir. Est-ce que tu sens dans tes salles des fois que tu des moments où ce que oh, il découvre un nouveau fil, les gens ils s'attendaient pas à ce film. là. Euh, ben j'ai essayé de raccommoder en fait, tu celui que je suis au podcast qui est, qui est une portion de moi pour mmh. vrai. Ça ressemble beaucoup euh, toi en podcast puis toi, en show ça se ressemble beaucoup. Oui, mais, mais celui que je suis à Radio Canada est pas loin non plus de celui que non je suis plus. en spectacle. Non puis tu sais celui en fait c'est ça c'est que moi je prends je pars du principe que les gens sont assez intelligents pour comprendre que quand ils me voient en représentation il y a un côté quand ils me voient Radio-Canada, ils comprennent que ma capsule de 5 minutes le matin, ben, c'est des mots calculés, travaillés mm -hmm. avec un angle que ça fait une semaine que j'y pense. Quand ils m'écoutent en podcast, ils me voient être plus spontané, mais que c'est pas en adéquation. Puis que ouais. j'ai, en fait... Mais toi, tu sens-tu que t'es différent sur scène? Parce que moi, je suis différent mm -hmm. sur scène. Je moi, moi, dis, moi, je peux dire des vulgarités. Je veux dire, je suis un peu comme le gars de... de... Tu sais, il euh, y a une émission là, qui s'appelait... Euh, Il y avait les deux jumelles qui jouaient la dedans Un ah, Bob, Bob Saget. qui ouais. était hyper vulgaire sur scène puis hyper clean à télé. Oh, je suis pas à ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime les gags wrong. J'en fais oui. dans la vie. Pis sur scène, j'en fais. J'ai un, un bit sur euh, les Paralympiques puis lancer des handicapés dans les airs qui collent au plafond. Là. Ça peut te choquer une madame qui m'a écouté à, à, à Occupation. Euh, tu à, fais euh, moins ça à Télé-Québec. À, à Télé-Québec. Non, fais non, pas mais ben, tu sais, moi, j's... en fait, c'est une question de dosage. C'est que. Oui, il y, y a un moment où, tu sais, je dis le mot qui a choqué Sophie Du Rocher, sultan, ah ouais, sultan de la snatch. Ah Je dis ça, genre. Je dis quoi? Sultan de la snatch. Un sultan de, de la, la sn snatch. Je dis, j'ai pas toujours été ça, en joke évidemment okay. là. Puis c'est tellement, tu sais, épouvantablement gras, dégueulasse. Ouais. Mais tu sais, il y a, il y a à peu près trois minutes après il y a tout un élan poétique sur l'existence puis tout ça fait que... mais fait que donc tu vis ça parce que Sophie ben, en après fait, m'avoir je... fait un texte mais il y a d'autres il y a quelques autres personnes dans la salle très qui ont certainement c'est pas le premier que c'est pas la première personne que Sophie Durocher comprend pas non, non mais je non, sais mais, mais au-delà de, de que ça a au de... parce qu'on s'est ouais. parlé après puis j'ai dit tu puis puis le, les gens qui viennent me voir m'expliquent ça puis c'est en fait c'est ça c'est que j'essaie de réconcilier puis ça a été ça le défi de ce spectacle là c'est de réconcilier ça avec mes ouais. élans poétiques puis tu ça reste... C'est mon deuxième premier spectacle. Il y a des maladrettes. Deuxième maladresses. premier spectacle? Oui. Ben non, mais en fait, c'est comme, tu sais, j'ai fait... Euh, c'est que le premier, il avait été travaillé par, différemment avec... Euh, ben c'est euh, des... Tout, ouais, je exact. Okay, okay, okay. Puis j'ai jamais fait de promo. Puis je trouvais pas qu'il y avait la finition d'un show. Puis je l'ai pas... Tu tra... sais, ça, ça, okay, ça a donné... première vraie tournée C'est ça. Ça a donné que c'est un vrai... Ça a donné que c'est un show, mais je l'ai jamais vu comme l'aboutissement, tu sais. Fait que là, je l'ai vraiment travaillé dès le départ différemment Puis puis c'est ça. Puis tu sais, je le sais qu'il y a encore des, des places où ça, ça faillit, c'est sûr. Puis à tous les shows, j'essaie de réconcilier ça. Mais, mais j'avoue que ce que tu dis, l'espèce de côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est quelque chose qui, qui m'angoisse pour vrai ouais. parce que je veux pas décevoir, mais en même temps, je veux pas ouais. non plus. En fait, ouais. je veux pas décevoir ceux qui espèrent voir le gars du podcast. Puis je veux pas décevoir ceux qui espèrent voir le gars de Radio-Can. Puis on, mais on est une pas époque. pas l'impression que... d'être l'un um... ou l'autre. Puis tu sais, on est une époque où on est très dans la culture américaine de stand-up. On en a vu, puis, tu sais, moi, ce que je remarque, c'est pas les vulgarités qui choquent, c'est les idées qui trans... Tu c'est ouais. des idées qui vont plus loin. Les... Parce que, somme toute, j'ai une partie de mon public, puis je veux pas faire juste d'argistes, parce que des fois, il y en a des plus jeunes aussi, c mais qui sont... Euh, qui... Des vulgarités, ils vont les rire quand c'est dit par un humoriste qui sont attachés puis qui ouais. connaissent. Fait que c'est pas tant les mots qui les choquent, c'est des idées qui sont réellement ouais. choquantes. Ouais. Puis nous, je pense qu'en stand-up, que nous, on écoute ce qu'on s'abreuve, c'est ça qui vient nous chercher. On est rendu, on est rendu pas sadique, là, mais marquis de sad, mais on écoute tellement de stand-up, notre jeune génération, qu'on a besoin de sensations fortes quand on en déjà, écoute. Là, fait c'est dans le wrong ouais. ». Tu avais déjà dit que les gens qui trippent sur l'humour, dont les humoristes, c'est comme les drogués. Ouais. qui veulent des doses vraiment. On veut du fentanyl. Ouais, ouais. On, on est rendu au fentanyl. On ne sent plus rien avec euh, mmh. ce qui est avant. Fait que tu sais, le moi, QDC, ça, me... ça marche pas. Moi, des fois, là, je vois des numéros au bordel ou des, des, j'écoute des shows, mais mettons au bordel, puis je fais comme ta, un gag là, qui me jette. à cheville. Je oh waouh. Puis j'aurais le monde comme. Hein! Personne n'a vu comment. Ouais. Mais ce gag-là, c'était dans les choses les plus brillantes que j'ai entendues du dernier mois. Tout... Avez -vous déjà eu On est per... tellement rendu profond dans cette affaire-là. Avez-vous déjà eu une période où tout ce qui vous, ce qui vous intéressait, c'était faire rire les humoristes dans la salle Non. Non, je ouais. pas eu ça, moi non plus. Mais, mais j'ai je... pr... toujours été préoccupé par leur rire, par exemple. Mais, mais ça jamais moi, je été pense que c'est mon... mauvais signe. Habitu... Parce que tu peux pas te fier à ça. Euh, je ne sais plus à quel podcast qu me disait, que j'écoutais dernièrement, mais qui parlait de François Havard, qu'il avait eu comme professeur. Fait que je ne me souviens plus dans quel... François Havard, au début du cours, leur disait à l'époque, il dit, je rirai pas, inquiétez-vous pas, que je ne rirai pas, ce n'est pas un jugement sur votre euh, humour, euh, je m'efforce me de ne pas rire. Puis, de toute façon, si je riais, probablement que c'est parce que le gag est tellement mauvais. Fait que, des humoristes, on rit aussi pour les mauvaises ouais. raisons. Ouais, fait que, si une année tu fais un gag dans une salle, puis qu'il y a trois humoristes qui rient fort, c'est ça a un, vraiment pas bien été à une époque, ça, ça j'avoue que mes, mes fourrées ouais, ouais. la, la première fois que j'ai commencé à faire du stand-up j'ai eu deux j'ai commencé au début j'ai abandonné j'ai recommencé la première fois Simon Leblanc il manquait jamais mes, euh, mes performances non quand t'as commencé t'étais un humoriste d'humoriste mais pour les mauvaises raisons oui, oui mais voilà, voilà, voilà voilà voilà, oh, voilà. Ouais, c'est clair Simon oh, oui, Leblanc <laughs> il disait je manque jamais rien man. je manque jamais rien tout ce qu'il fallait pas faire, je le disais mal, oh, tout crach, c'était épouvantable. C'est épouvantable. C'est un plaisir bon ouais. là. Ouais. De... Ouais. De... pour ouais. les mauvaises rêves. Ouais. C'est <laughs> comme, comme voir une vidéo en loop de quelqu'un qui glisse sur un, ouais. un, un, un trottoir. Ouais. C'est Thomas Levac, <laughs> un remix. J'ai déjà pouls. fait 5 minutes où je criais. Je suis séropositif, positif puis j'ai de l'eau. Je suis zéro positif puis j'ai de l'eau potable. Je suis ouais. séropositif, positif puis j'ai de l'eau potable. Ouais. Ben, non, non, je suis zéro négatif puis euh, j'ai de l'eau potable. Okay. Ah, c'est meilleur, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux négatif. Zéro négatif ouais, ouais. puis j'ai de l'eau potable. Comme suis privilégié là. Ouais, ouais, ouais. mais ouais. juste je criais ça. Ouais, ouais je comprends. Avec des publics qui disaient, qu'il y a une autre idée derrière. Ouais. Non. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'idée derrière. Fait que les rires du Maurice, c'est les pires. Faut pas, faut pas se fier à ça. Ah, j'aimais ça moi. Puis tu sais, pour la même raison, oui, mais je comprends, c'est le fun parce que tu fais, mais pour la même raison... Parce que ça, j'avais rien. C'est qu ça que j'avais. J'assiste à des rodages de d'autres shows aussi en ce moment parce qu'on collabore avec certains humoristes. Et puis, des fois, je fais comme, ah, ça, c'est drôle. Ouais. Mais je le rirais pas, mais je sais que c'est drôle. Mais je sais que moi, mille moi, personnes vont la rire. Oui, mais c'est vrai, non Mais t'as raison parce que moi, quand j'écoute des shows, euh, c'est rare que je ris là, à cette heure là quand, ouais. Comparé moi, à beaucoup. avant, comparé ben, à bon avant, public, moi, je ris beaucoup. Mais non, mais mon public, mais c'est sûr que la surprise me fait plus rire que d'autres, que, 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 que le convenu. Exact. Et pour me surprendre, ça prend beaucoup plus maintenant. Non, mais surtout que tu connais sûrement, euh, tu as, t as 100% de chance. Puis... Oui, tu connais la mécanique, tu connais la personne sur scène, ouais. tu as sûrement vu sa joke. 3, 4, je ne vais 3 pas, 3 pas nommer qui, mais je sais que l'anecdote n'est pas vraie. Oui, bon, OK. <laughs> C'est <laughs> plus dur d'embarquer. Non, mais tu sais, les non, humoristes non, mais... à anecdotes, là. Mais ben oui. Quand tu te dis moi, je, je, je n'aimerais vraiment pas de nom parce que ce serait vraiment un, un, un chiant pour sa carrière. Mais tu sais, il y, y en a plusieurs, de toute façon, ouais. des humoristes à, à anecdote Mais j'avais un jeu, mané que je me souviens, surtout en début de carrière, où genre... Quand Maurice-là redait numéro, là, on était deux, trois numéros, ça fait comme, et à partir de maintenant, c'est pas vrai. Tu tu le sais quand. Nous, c'est évident quand tu connais la structure d'un numéro d'anecdote, ouais. quand ça vient de pogner la, la chire de comme, là, ça c'est comme ça qu'il aurait voulu que ça se passe. Ouais. Mais généralement, pas même... ça commence à. Hey, je, la, la, la semaine passée, <laughs> ouais. déjà à la semaine ouais. passée, tu le sais que. Ben non, d'habitude, ça dépend des mais, compteurs, mais, mais, mais il y en a que c'est. Mais... Genre, je me suis acheté. Euh, mettons, oui. Je me suis acheté une voiture, là, c'est vrai. Après ça, il n'y a Après plus rien. Ça, ouais. mais mes préférés, c'est quand ils font les anecdotes puis ils ont la réplique parfaite. Ouais, ouais. Ils ont tout le temps les puis puis là, la réplique parfaite. Puis là, je ouais ai dit... Ouais, ouais. J'y ai pensé là, là, comme dans un sitcom. Ça, c'est bon, ça. <laughs> ouais. ça là, oui, ça, c'est drôle. <laughs> ça me fascine. J'adore euh, voir des humoristes d'anecdotes, euh, mais ça prend un grand talent pour qu'on qu y croit. Puis on en a des vraiment bons ben, oui, au Québec. Puis oui. Parce que tu sais, vient un moment, des fois, je fais comme ah, oh, ça se peut que ça soit vraiment arrivé de même. Il arrive beaucoup d'affaires à cette personne-là. Non, mais même Simon LeBlanc qui dit des affaires, des fois, que c'est tellement gros, il a, il, a, il a construit son univers. C'est ça. Puis tu y crois très... malgré. Ben, parent, ouais, mais Jean-Marc Parent aussi, mais c'est mais... rien de lui. Mais, mais Simon LeBlanc, tu sais, c'est très. Euh, la comparaison est, euh, est très Fred pèleresque Ouais, oui, oui. J'ai le vrai. sens que parce que je l'ai vu hier justement au bordel, il raconte une anecdote. On sait que c'est vrai. Jusqu'à un certain moment, puis après à un moment, on sait qu'il rentre dans la fantaisie. Ouais. Mais il n'est pas en train de te dire j'ai arrivé ça. Non. C est, c est là, il est dans Simon... un moment où voici comment je me suis senti et ouais. comment je le, ben... le ferais en fantaisie. Mais, mais, mais ce qui est génial, il nous ment jamais. Il nous ment jamais. Même quand ouais. il déconne, il, il y a un clin d'œil de Là, je déconne ouais, ça. Et la, la vérité, est, il nous ment jamais. Parce 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 que, mais ces ouais. anecdotes ou ces histoires, c'est jamais justement comme le gars a dit Il n'y a pas d'autres personnes. On, il, il décrit là, souvent il décrit, la situation. Il décrit, il décrit premièrement. comment il l'a vécu dans ouais, sa vie. c'est ça. tu sais Comme ouais. le, son numéro connu où il raconte, le, il fait juste le, le petit bit du, euh, du trafic qui dit qu'il veut rentrer à Montréal. Puis là, ça refoule, ça refoule, ça refoule. Puis, puis là, il, il décrit tout, 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 tout l'état psychologique. Puis il y a une ambulance qui arrive en arrière. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement coloré, c'est tellement rythmé aussi. Mais comme, tu as raison, il ment pas. En fait, il fait juste exagérer ouais, ouais. chaque émotion au centuple. Il vrai, en fait. a, a vraiment vu ça. En fait, oui, il n'était pas hein, là, mais il l'a vraiment vu. Toi, ton hein. plaisir, c'est que toi, tu l'as vécu, mais tu l'as pas vu de même. Voilà. Mais tu l'as vécu comme ça, par mais exemple. Mais ça prend un grand talent pour être capable justement de... Moi, j'ai jamais fait d'anecdote sur scène, tu sais. Puis, je sais pas que... Les jeunes ne font plus. Ouais, mais je... ben, moi, c'était pas... Mais naturel. les plus jeunes, mais... Ça crée format... ouais, plus minutes. Mais non, puis le format fait ah ouais. en sorte que... Oui, oui. T'sais. Ben, sur scène, on a beaucoup de compteurs en ce moment qui vont très bien. En termes de tournée, les, là... les, plus, les jeunes, moi je parle. Ben plus jeune, c'est qui, qui plus jeune 23, 24, 25 ans. Les vrais jeunes, là. Ceux qu'on peut mettre dans le dos, là. Ah ouais. ouais. c'est comme non, mais Guillaume Pino Sambreton, c'est pas des sont jeunes, jeunes je comprends. Non, c'est sont ça, sont ça, mais c'est pas, bon, que, on... mais pas ouais. des jeunes. Guillaume, il dit lui-même, il me semble que lui-même, il, il raconte tout le temps que les formats, maintenant 10 minutes, il, il me racontait ça que il, il a, ça a été un apprentissage là, de rentrer efficacement mm. dans un 10 minutes parce que juste l'installation c'est 5 6 minutes. Fait comme tu ça, ça aussi Mais ça pour ça. la promo, je comprends les plus jeunes qui voient beaucoup l'Eldorado par rapport à TikTok puis ah oui? Instagram. Mais euh, souvent, ces jeunes-là ne sont pas encore rendus à faire un one-man show. Ils vont peut-être changer. Ouais. Oui, parce que si tu fonctionnes sur TikTok, tu peux, tu ah, peux, tu vendre peux une... euh, ah, Oui, là, ouais. oui Je comprends, mais euh, comme tu décris ton premier tour... En fait, là je vais faire... Ça va se... être méprisant, mais de pas du tout. Non, non, oh, Ce que je veux discrute. dire, c'est qu'il y, y a une correct. différence entre... Euh, tu un beau succès sur le web, tu as un following, tu as des gens qui te suivent et ouais. qui t'apprécient puis ils veulent te voir là, c'est tout à fait légitime. Mm -hmm. Puis là, tu remplis trois, quatre salles, puis là, tu as 3000 personnes qui en six salles sont venues te voir. Puis ça, c'est ta crème, tu sais, les premiers fans de toi. T'sais. Ça, c'est un travail qui, qui est super legit. mais c'est pas pareil que partir en tournée puis de faire un show. Qui doit être drôle auprès de gens qui ne t'aiment pas nécessairement. Ça, c'est un autre défi, mais un, mm -hmm. ce, ils sont pas obligés de le faire, ce et défi Il y a peut-être des humoristes qui ne vont jamais vouloir faire ça. Tout à fait. ça. fonctionne sur Internet. On approche de tout ça, probablement, parce que s'ils arrivent à gagner leur vie sur l'île de Montréal puis qu'ils n'ont pas envie d'aller faire la tournée, c'est peut-être des. des, des, des des anachronismes de notre génération à nous là qui contraint ben, qu mais moi j'aime ça là, je veux continuer à le faire mais ah oui. je peux concevoir que des jeunes il y a plein, y a plein de chemins aujourd'hui aujourd ce qu'il n'y avait pas en 2003 2003 si, si tu ne pognais pas en boss, ça marchait pas. C'était homophobe puis euh, 2003 si tu faisais une si tu étais de la gang ouais. du métro euh, du 7 jours tu étais correct ouais. mais tu sais maintenant toi là ça fait pas ben, je veux dire ça fait tu as gradué en 2007. Ouais. OK. Euh, ça, fait quand même, ouais, ça fait quand même 15, 15 ans, 15 ouais. ans là, on ben va bon. dire. Là. Mais, mais non, mais c'est parce que dans ma tête, on a, on a gradué à 7 ans de différence globalement. Là, puis puis j'avais l'impression que entre ton moment et le moment où toi et moi on a gradué globalement, là, mm -hmm. à peu près en même temps, c'est un monde de différence. Là. Puis là, genre, mm -hmm. par rapport à aujourd'hui, je voulais voir comme toi les 15 dernières années, comme tu les as vécu comment. Ben, c'est dur parce que quand t'es dans Tempête, ouais. je pense que des plus vieux seraient mieux outillés pour regarder qu'est-ce qui s'est passé versus que des gens... Qui pratiquaient le métier. Mm -hmm. Il y a eu, c'est clair qu'il y a plein de choses qui ont changé, mais je ne pourrais pas nécessairement te les dire ou je ne suis pas le meilleur observateur. Ouais. Parce Bien, que tu jouais dans... combien de fois non, par semaine dedans, hein? au début? Ah oui, c'est sûr qu'il y, y a des choses très techniques qui ont changé dans le milieu, comme le nombre de scènes, c'est évident parce qu'il y a plein de soirées de laboratoire à Montréal ouais. maintenant. Euh, des mic, il y en a plein, puis en région aussi, dans le Grand Montréal surtout, il n'y en avait pas. quand Nous, on a commencé, si tu jouais une fois par semaine, on s'était créé une soirée d'humour quand on est sorti de l'école. Parce, hein? ouais, parce que c'était la seule façon qu'on aurait pu jouer sinon ne pouvait pas. Fait que c'est sûr que les tribus n'étaient pas les mêmes, mais euh, euh, fait que ça, ça change, c'est vrai. Euh, mais est-ce est que, est que ça change réellement? Je sais. T'sais, t'sais, mais t'sais, ça, rapport... ça fait que des fois, on travaillait plus longtemps notre numéro, pour on ne pouvait pas le tester tout de suite. Pis tu le te testais une fois, puis il fallait que ça te prouve, euh, ça te forçait à le retravailler plus vite. T'sais. Ça changeait la technique de travail, mais pour le public, je ne sais pas si ça change quand... Est-ce que tu t'ennuies, mettons, euh, faire un, travailler un numéro sur un péché capitaux? Pour passer moi, un pas gala juste pour, ça. pour rire. ouais Oui, les thématiques des galas. Mais moi, j'ai des bons souvenirs. Tu sais, ben, en fait, probablement que, que ma génération a haï les galas juste pour rire. <rire> parce qu'on avait l'impression qu'ils nous favorisaient pas, puis blablabla. Bla, on les aïe, une année ça a arrêté, puis on s'ennuie, puis on fait comme C'était quand même le fun. Hein. Tu te rends compte que quand tu chialais genre en 2010... C'était une belle époque quand même, tu sais. Pour la même affaire que là, je on charge contre que... la télé, mais quand il n'y en aura plus, là. Je pense que ce que tu as de... que c'était beau en 2023. Ce que tu aimais en 2010, c'est que tu étais jeune puis tu avais pas mal dans le dos. Je pense que c'est ça dans la vie. Euh, non, ben oui, il y a ça, tu sais. Je veux dire, c'est clair que c'est le fun de la vingtaine puis le début ouais. de trentaine pour ça, tu sais. Mais je veux dire, c'était pas à... Non, mais, non, mais je pense cool qu'on vit une belle époque que... d'humour pour les gens. Je... Les... J'en vis pas les jeunes, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils ont un beau laboratoire. Ils ont, beaucoup ah, plus d'outils aujourd'hui que nous, on avait, ça, c'est clair. De modèles aussi. Oui, mais ça peut être étourdissant d'avoir beaucoup d'outils. Tu sais, oh. tu sors, là, en ce moment, là, puis là, t'as as des vedettes TikTok, t'as ça, t'as ça, puis on dit « Tu peux faire ce que tu veux. Euh, » Il y a beaucoup de gens que ça sécurisait de sortir de l'école, faire comme « le travail, ton huit minutes chemin. pour un gala. Ouais, »« fait ça. » Je comprends. Mais ben, c'est vrai que c'était sécurisant ben parce oui. que t'avais un objectif clair, puis en plus, tout le monde autour de toi travaillait Pareil, pour ouais. le même objectif. C'est vrai, ça, j'avoue. Mais, mais tu sais, moi, ce je, je, que je trouve... Euh, ce, ce que Il me semble que l'aspect justement, il n'y a plus un seul chemin. T'sais, oui, tant mieux, mais, euh, mais, mais je trouve ça... J'en euh, les le conséquences. Il n'y ouais. a plus un seul modèle. Y a les, les hommes peuvent être ce qu'ils veulent. Bien, ça crée une détresse chez bien des hommes. <laughs> non, mais dans le sens où, tu sais, dire, c'est comme les enfants, les enfants ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont besoin de prévisi euh, prévisibilité. 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 C'est très important pour un enfant. Parce que être un bon parent, c'est dire à ton enfant qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ils veulent le savoir. Ben l'humain n'est pas si différent que ça en vieillissant aussi. Fait que c'est fascinant comment il y a comme un, un aspect double tranchant à dire tu peux faire ce que tu veux il ben, y a des gars qui sont perdus là-dedans. Non, puis souvent, ce modèle-là se décline, en fait, variation sur un même thème, en passant. On là, dit qu'un homme peut faire ce qu'il veut. Hommes et femmes, là. On parle de oui, modèles moderne loin, oui. Il y a de plus en plus de métiers qui disparaissent. Il y a plus en plus de villes où tu peux plus vivre. Avec l'étier, euh, ça commence Non, mais à être, on là. vit ça. Tu sais, on parle... C'est ça, on parle de crise de la masculinité. Pas, il... On parle toujours de crise de la masculinité quand il y a une crise économique. Puis là, il ouais. y en a une qui s'en vient, puis il y a beaucoup d'insécurité économique ouais. qui s'en vient, on le sent là, puis tu il y a les taux d'intérêt, mais on n'arrête pas de nous dire depuis un an qu'il y a une récession qui s'en vient, Watch out. Ben ça, ça, ça crée toujours ces tensions là, tu sais, fait forcément Est-ce que ça fait peur C'est ce qui est cool, un gars qui, un gars qui a une réponse ou une femme qui a une réponse. Que, la force Tate, peu importe ouais. la question, il y a une réponse. réponse. Oui, vite. Une bouée, les ben gens, Trump. Quand les, gens, a une ben oui, quand les gens ont le sentiment de se noyer entre guillemets là, ils vont s'accrocher à n'importe quelle bouée, ouais. puis c'est sûr que si il y a une partie de la population qui dit hey, Tu te noies, là, mais garde, c'est ton tour de te noyer. Ben, qu'est-ce euh, les hommes Ils, ils vont pas aller ça. vers ça. <laughs> oui, ouais, c'est ouais. la, la, la personne qui te lance une petite bouée qui est en fait une grosse roche de masculinité toxique, tu vas l'attraper pareil. Parce que tu dis D'un coup, d'un coup, que ça me fait flotter. Mais ça, ça, ça Tu sais, il y a un article qui est sorti il euh, y a une couple de semaines à propos d'Andrew Tate ouais. chez les jeunes. Mais ça, ça, ça. Moi, je trouve ça super. Ben, un, je, je défonce une porte ouverte, là, mais je trouve ça super inquiétant. Mais, mais c'est surtout. Ma question, moi, c'est le contrepoids, il n'est pas assez puissant, ça veut dire. Tu sais, C'est-à-dire que l'autre modèle, mettons, de masculinité, ou, ou, ou celui en opposition s'en si veut l'opposé. parce que lui il est très binaire Andrew Tate ouais. c'est oui non chaud froid c'est c'est ça je trouve là la... c'est très conservateur le en gars plus, il s'est converti à l'islam les femmes c'est comme ça doit faire ça, ça. Euh, l'argent le succès puis le tra il, il valorise ben, c'est presque années 80 là tu sais Wall Street okay, tu sais ça tu vois ça se décline en France il y a un gars je vais pas le nommer mais mais sous prétexte de la gentilomrie la chevalerie donc, l'homme doit être fort. Donc, l'homme. Mais tu sais, mm -hmm. en vérité, c'est vraiment la déclinaison d'Andrew Tate. C'est juste que ça a des aspects gentleman-ish. Il faut s'habiller oh, ouais. en cravate puis en veston. C'est mais... brandé différemment, mais c'est ouais, à mais peu près les même, mêmes valeurs. C'est la même idéologie. Oh, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui, moi, ce que je trouve épatant, c'est que malgré toute la diversité dont on parle, il est, il, il y a, le contrepoids n'est clairement pas assez fort. Parce qu'on ouais. succombe à ça. Mais ben, c'est plus puis... sexy. Non, mais comme le populisme fonctionne en ce moment, puis ouais. il y a des experts qui arrivent avec des solutions très très euh, complexe mettons, à, aux problèmes économiques, aux mm -hmm. problèmes sociaux. Il y a plein. Là. Y a des, les universités sont remplies de solutions à nos problèmes. Ouais. Puis la population va pas vers ça. T'sais. puis ça on est pas tout le temps. Les pas, temps, temps les, pas toujours, mais ce que je veux dire, c'est que les solutions simplistes... Euh, J'ai fait un épisode sur la surmédication aussi derrière dans « l'outil veut savoir », mais la vie va vite. Les solutions simples sont plus excitantes puis plus intéressantes. fait que ça met un, le contrepoids, c'est... Le contrepoids, il n'y a pas un, un aussi bon branding, il n'est pas aussi présent sur TikTok, il est complexe. Le contrepoids Andrew Tate, c'est dire euh, ben travaille sur tes émotions puis à pleurer puis puis la vie c'est complexe, puis ça se peut que ton air soit un peu passé puis tu sois moins favorisé à l'avenir. Puis l'autre qui dit non 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 non, c'est mm. toi le champion. Ben quest comment tu veux faire contrepoids à ça à quelqu'un qui dit c'est -ce toi que... le champion ben, par contre. Parce comment... <laughs> que, que souvent ce qu'on dit. Ce qu'on écoute et ce qu'on fait, c'est très différent. Moi, des ouais. fois, ce que je pense de Drew Tate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Moi, je ne le connais même pas tant que ça, soit disant passant. Tu sais, c'est un nom qui revient, là, puis j'ai lu quelques articles, mais j'ai jamais vu de contenu de lui. Je me suis fait une image de lui, là, mais je ne sais pas à quel point c'est... Tu sais, parce que les défenseurs d'Andrew Tate disent euh, « Oui, oui, il est misogyne, mais c'est pas la majorité de ses vidéos. » Ce qui est une drôle façon de le défendre. Rendue, oh oui, mais quand ça, même... Ce pas, pas mais, tous les vidéos Non, mais je pense que sont... ça se peut qu'il y ait des gens qui l'écoutent pour ses conseils financiers. Ça se peut des... Je sais pas, là, je, je connais pas le personnage mm -hmm. tant que ça. C'est mais... un kickboxeur de, de ouais. Grande-Bretagne qui a un discours particulier sur Internet. Ben, qui... dis-le, raciste et misogyne. Ah, je ne le savais pas. Ben, misogyne, ça, c'est sûr. Je, raciste, j'avoue que je sais pas, je pense qu'il y a tellement l'argent qu'il doit accepter tout le monde. Là, voilà. mais, mais misogyne, c'est beau sous. ça. <laughs> oui. Non, mais c'est vrai, lui, si tant que tu le caches. Mais là, je voulais en venir, c'est que je pense que tu peux écouter Andrew Tate dans une salle de classe, dire à ta prof, Yo, Andrew Tate, ouais, c'est ouais. un G. Oui. Ouais. Puis rien faire de ce qu'il dit, parce que c'était juste quelqu'un. Oui, qui sauf que le fait de le dire, mais ça, ça, ça s... infuse quand même une, une mentalité. Es, au final... Il va y avoir certains de tes comportements qui vont être teintés de tout ça, mais tu as raison qu'au secondaire, j'aurais dit n'importe quoi pour faire fâcher ma prof. Ouais. C'est sûr. Il ouais, y a ça aussi. J'ai déjà fait il... des. Il y a un bout de temps, au primaire, on dessinait des croix nazies. C'est d'une stupidité ouais. sans nom que tu ne réalises ouais, pas à l'époque. Mais c'est pour faire fâcher la. C'est fuck you à la société que tu fais. C'est sûr que, pour ça que je disais tantôt, si j'avais eu 17 ans puis qu'Andrew avait écouté la même raison qu'on écoutait des jackasses, puis on, faisait des, on les reproduisait, là, on faisait des niaiseries. De même, pas... nos parents devaient dire ils vont mourir bientôt. Là. Mm -hmm. ah, Ici, ils font ouais. des... A... Il y a puis une chance ont... fondamentale dans Jackass et Andrew Tate. Il n'y a aucune idée des Jackass. Juste non. des, mais, des, avait des, pas... des gars de Nuno qui se font mal. Ça, il n'y avait pas d'idéologie. Sauf l'autodestruction. La... Ouais, mais sauf que, la, 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 ben y moi, avait... je vois ça nihiliste, Jackass. Là, ouais. Ça correspond à une époque où on, 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 on était face au vide, en fait. Le, le, le... Non, mais c'est vrai, quand tu y penses, le début des années 2000, c'est un climat très particulier où. Oh wow, année 2000, la promesse du nouveau millénaire. Pang, 11 septembre, on est où, on fait quoi la Le monde des est en changement. Avant aussi, les ouais. de bulle que tu Tout ça, ta, on, ouais. est, on est face à un vide, puis quand tu regardes, les humoristes qui ont Éclaté à ce moment-là. Qui était au... vide. Non, 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 non mais <laughs> pas qu'il était vide, mais, mais, mais dans le sens où c'était pas les humoristes les plus politisés. Non. C'était pas les normal. humoristes les plus euh, cantonnés. On oublie est l'époque. Il, y a, eu le, il y a eu de l'absurde des... qui est arrivé quelques années après. Exact. Il des a 2000, c'était si politisé, tu tassé. On parle au Dixie Tchich. Mais la ça. musique, ben tout oui, ben, ça. Ben oui, un des plus grands. Cas de cancel culture, de l'histoire. C'est les Dixie Chicks. Pour ceux qui ne savent pas, le Dixie Chicks, c'est un groupe de country qui vient du Texas, féminin. Une fois, avant un concert, ils ont fait Oui, on vient du Texas, puis on a honte parce que Bush vient du Texas, ils sont pas d'accord. Ils se posaient à la gare en Irak. Ça va être cancellé en lieu de la radio. ont arrêté. Pendant quelques années, ils ont zéro joué. c'est fou là. Fou raide. Pour avoir pris position. Ils n'ont pas. Ils ont juste dit Ouais, le président, faire la guerre dans un pays du tu t'y Ben, ils pas ont dit fort, ce que fini. 10 ans plus tard, tout le monde disait. Le le monde disait non, non, mais exact. Puis, tu sais, t'avais des, des modèles un peu de contrepoids comme Michael Moore, mais qui c'était assez risque et péril d'une certaine façon. Puis, c'était tellement tranché. Ouais, mais oui, n'oublie oublié qu'ils la gauche. Fait peut être cancellé par fait, ce groupe-là. Moi, que Michael Moore, quand il a gagné son prix pour il Columbine. Shame on you. Il s'est fait huer. Ah ouais. Il s'est fait huer ah ouais. aux Oscars. Non, 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 c'était Fahrenheit 9-11. Non, c'était Columbine. parce qu'il a gagné, je pense, en 90. Ah, c'est Fahrenheit. Il me semble c'était la Palme d'or. Ouais, mais c'était quoi parce le... qu'il a dit euh, ah, les pour la guerre aussi il a parlé il a dit que la guerre euh, c'était des, des mensonges puis il s'est fait huer mais de... c'est fascinant 20 ans plus tard tous les... quand tu gagnes un score tu fais bon c'est important s'aimer ouais. ouais. puis euh, c'était il faut que faire sauf un discours que... politique un peu sais j'étais plus peu. jeune à l'époque fait que c'est plus dur de, de vraiment euh, j'étais pas autant politisé mettons en 2000 ou euh, puis quelques années après mais tu sais quand mettons les États-Unis se sont sentis attaqués ils ont, ils ont eu été. Ils, ben, ils ont été effectivement ils ont été solidement attaqués la réponse n'était peut-être pas mesurée puis n'était peut-être pas la bonne, ouais. mais dans ce temps-là, l'humain a besoin d'une espèce de... Il y a le chef, on se met derrière lui. Même s'il si nous, oh, oh, nous fait foncer dans, dans, le, dans le ravin, il faut, faut que l'esprit de calme. On a besoin de ça. Fait que n'importe quel élément, il y a un timing. Là. Il, y a, il y a un mauvais timing à dire oh, « je suis pas sûr » puis je veux faire une comparaison qui va peut-être être un peu étirée, mais pendant la pandémie, pendant la pandémie, là, il y a eu des décisions weird qui se sont produites, ouais. mais on avait un ennemi, il fallait écouter ouais. les gouvernements. dans le sens, tout le monde fait comme la seule ouais. façon de passer à travers, c'est de serrer les coudes, puis esprit de corps, puis t'as du monde qui était comme, ouais, mais t'as peu. On peut-tu Cette décision-là, est-tu bonne? Puis là, ils ont été crissés de côté, parce que c'est pas le temps. Mm -hmm. Là, on s'en va à la guerre. Ouais. Ben, ces gens-là, aujourd'hui, ils se perçoivent, puis je pense pas qu'ils avaient raison dans le sens que la majorité des affaires qu'ils ont dites, ils n'avaient pas nécessairement raison, mais il y a certaines affaires, il y a certains flags qui avaient levé sur lequel il y avait raison, puis ça peut être légitime. Fait qu'eux autres, ils se sentent comme on nous a cancellés pour des trucs qui maintenant se disent mm -hmm. que la CAQ a trop dépensé, que le, le, que que le, le fédéral a imprimé de l'argent puis ça va mener de l'inflation. Eux, ils font comme, on vous le disait il y a trois ans puis on nous traitait de coucou pour ça. Mm -hmm. Ça doit être frustrant. Très frustrant. Eh bien, ça doit être, oui, puis ça, ça doit provoquer justement une désaffection totale puis un détachement. Oui. oui, ben oui. À 100 ça, t'sais, t'sais, Moi, naïvement, je ne sais pas... Moi, naïvement, je pensais que quand la pandémie était comme relativement finie, là, elle est... Et moi, thèse, je pensais que tout le monde thèse, allait faire était comme. Hey, C'était bizarre, là, mais ouais. on se réconcilie tout le monde hein, puis ouais. on oublie ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas, pas arrivé. Là. Ces gens-là ont non. eu une cassure tellement grande avec la société. Il y a un pourcentage de gens, mettons, là, même s'ils si sont minoritaires, que. Ça va être tough les ramener. Les, les, leur ben, faire reprendre confiance ou les ramener, ça va être tough. Si on là. parlait de « tu pouvais perdre ta job parce que tu as dit ça ben », mais pendant oui. la pandémie, c'était ah, vrai. là. Oui. Si tu disais « si », c'est comme tu dis, tu, tu pouvais perdre ta job, oui. là tu pouvais... Euh, Pour dire « vaccin », je ne sais pas. Puis il y avait une hypocrisie dans le sens où tout le monde disait « on tolère une forme de dissidence dans le sens qu'une société ouverte, c'est normal, puis euh, même la désobé... désobéissance civile, ça fait partie du concept de la démocratie, fait que euh, « Vous avez le droit euh, de ne pas vous faire vacciner, mais... <laughs> »« on, <vous rire> te te te... on va t'insulter r... en nistie ouais, pour que tu ailles. »« Tu, y y y aille. pisserie, ouais, tu pourras plus faire quoi que ce soit. »« Mais tu as le droit. »« mais oui, tu as le droit. »« Mais c'est à tes risques et périls. »« Puis tu sais, des fois, moi même à l'époque, il y a quelques flaques que moi-même, je suis chrismant vacciné, je suis très vacciné, mais j'aime pas quand la société devient... Euh, bouli là tu sais puis ouais. on il y a un moment où on l'est devenu j'ai que... vu des artistes des madames des messieurs oui. faire comme oh on a trouvé les pestiférés c'est ceux là puis moi ma vie en ce moment j'ai de la colère puis eux sont pestiférés fait que Chris moi les... on, y on y va ouais, on ça c'est le principe des téléréalités tu sais je veux dire à, 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 en, temps normal, en, en temps normal en temps normal t'écoutes une téléréalité euh, de comme dé, puis ton but c'est quoi c'est de te placer en état de supériorité morale ouais. et intellectuelle bien souvent hein. sur eux puis des juger mais tu sais, moi, ce que je trouvais pendant la pandémie qui était vraiment incroyable, c'était ça, c'est on se demande tout le temps, euh... tu sais, la fameuse question, je pense, qui est, qui est récurrente, qui est « Ah, oh, j'aurais fait quoi sous l'occupation ouais, allemande, ouais. mettons? » C'est pas... savais... quelque... fascinant que là. Je... Non, mais ouais. comme, puis là, on a… Euh... tout aurais de... on... pris une nazie, mais ils sont mieux habillés. Non, mais c'est facile de <laughs> suivre le troupeau. Oui. Ben, J'ai fait des gags sur scène dont je suis pas fier, puis je fais comme « Ouais, mais il fallait que je gagne ma vie, puis… Euh... » c'était plus facile de, de rentrer sur scène en Je disant vois. un gag, c'est non-vacciné. Tout le monde riait. Mais Même oui. des problèmes des non-vaccinés parce qu'il y a un esprit de, de, de groupe. De puis groupe. là, tu fais comme ben... Mais c'était impossible d'être neutre en passant pendant ce temps-là aussi. Ouais. C'était comme tu étais l'un ou l'autre. Ouais. Si ah, es... es vacciné ou es pas vacciné. Hein? Non, non, mais c'est ça. Puis si tu fais des jokes comme... Puis, puis là, tu vois, c'est là. Si tu commences à faire des jokes, on va dire du côté euh, qui défendent un peu les thèses euh, ouais. des non-vaccinés, puis tout ça... Ben, t'es minoritaire. c'est ben, y a un aussi. Il y a comme aussi. un. Ouh, je pense que ça se dit pas. ou ok, ouais, ouais. okay t'es-tu conspire? Tu consp... sais, ça venait de se avec... Il y a un avec... timing. T'sais, dans le sens que moi, il y, y, y a des amis, des fois, que je fais comme. Euh, euh, ok, mettons, t'es pas vacciné. Je, je... Puis je te juge pas. Ta... On n'a pas les mêmes valeurs par rapport à ça, mais on va pas plus être amis à cause mm -hmm. de ça. T'sais. Mais il y, y a un timing dans la vie pour dire les choses. C'est un peu. Tu sais, la même affaire que euh, tu vas pas euh, au funérail de quelqu'un dire en passant, c'était pas une si bonne personne. Ouais. Tu comme. C'est pas ta vrai <laughs> C'est peut-être vrai, mais c'est pas le bon timing pour le faire. T'sais. Attends six mois. ben quand tout le monde vit dans un état de peur d'une pandémie qui arrive, si c'est plate, tu as peut-être raison d'être méfiant sur l'affaire, mais c'est pas le bon timing. Non, vraiment pas, mais. <laughs> Ou accepte de payer le prix. T'sais, t'sais, un mais peu sauf qu'en même temps, c'est parce que je pense que moi, ce qui était dangereux dans ce temps-là, c'était les leaders, on va dire, conspirationnistes. Oui. Euh... Mais qui sont venus récupérer parce que toutes les, toute la société a fait vous autres, là, exact. on ne vous touche pas. Il y, a, il y en a qui ont fait « Moi, moi vais prendre votre 5 piastres. » Non, non, c'est <laughs> ça. <rire> pis, ils veulent tout le temps de l'argent. Non, c'est ouais. ça. Puis tu sais, moi, ce que j'avais remarqué à cette époque-là, c'était que ceux… Je ne parle pas des leaders. Puis je ne parle pas des, des, on va dire, tu sais… Euh, si on divise la pyramide en trois, là, les leaders, puis mettons, mettons leur lieutenants, ouais, ouais. ça, je pense, c'était du monde qui était. Il narcissique, puis il y a des oui, femmes, mais y a, ça aurait pu être une autre cause. Monde... Mais, mais je parle de ceux tu sais, qui ont comme un peu embarqué, qui étaient un peu dans cette mouvance-là, à défaut d'eux, on va dire. Mm -hmm. Mais souvent, c'était justement des gens qui, qui, qui avaient eu un, un, un choc par rapport à l'État, qui avaient un lien oui. de confiance. Puis, euh, tristement, là, mais comme. Important, soit qu'ils ont été trahis par le système de santé, par le système l'éducation, par le, 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 le comment dire, les, les, les ils ont ressources perdu la garde sociales. de leurs enfants, DPJ, un divorce que mal était, ils sentent que le système de justice était du côté de leur conjoint du conjoint. Euh, on, nous, quand du, on a fait de la du recherche bon, si là-dessus, là. c'était vraiment, c'était des gens qui effectivement qui se sont sentis trahis ou qui se sentaient trahis depuis un certain temps voilà. par euh, les institutions fait que quand les institutions sont arrivées faire comme là je t'impose quelque que chose que ils ont fait comme là c'est là c'est ma goutte qui démoi dev... c'est ouais. ça puis là ouais. tu en plus tu me contraint contrains tu sais il faut y repenser là c'était pas euh, puis tu sais je veux dire les seules pandémies qu'on avait vécues avant ça c'était le, le SRAS là tu sais c'était des affaires genre euh, le sida oui, ouais, mais moi, j'ai pas vécu le sida, mettons. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que. T'as pas fait v... de numéro où tu disais zéro euh, négatif, zéro négatif. <rire> non, c'est <laughs> <j 'ai> pas <laughs> lu... Malheureusement, j'ai pas <laughs> eu cette inspiration-là. Mais. <laughs> hey, ce numéro-là, qui était déjà weird, que t'as fait, oui. mettons, en 2012, là, oui. aurait été tellement inacceptable en 82. <laughs> 1982, un humoriste qui arrive, genre, -négatif. au Madison -négatif. Garden, zéro négatif, zéro négatif. <laughs> mais sûrement qu'Andrew Dice Club fait. Ah oh, oui, ouais, Enfin, c'est ça... drôle, j'avais lui en tête. Mais ah, oui, clair. non, mais c'est sûr qu'il est arrivé en après... pas... ouais! Les jokes de Sida ah, ouais, d'Andrew dice clay dans les années 80, là, ça devait être épouvantable. Mais, mais comme, tu sais, là où j'allais avec ça, c'était que, euh, comment dire, c'est cette fracture-là, tu sais, ce qui est dommage, c'est que y, 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 on est tout de suite, l'agressivité dont tu parles l'a encore plus cimenté finalement. Ben oui, le rejet encore plus, puis il est là. Ben Oui. Ben oui, puis à quelque part, il y, avait, il, y avait une, il y avait une réponse justifiée de leur part, tu sais, d'une certaine façon. Ben, là, mais, je ne même... parle pas évidemment des leaders, puis comme je disais, de dis, leurs lieutenants. Là... Des fois, il y a une réaction exagérée à quelque chose que tout le monde fait comme un, un vaccin. Puis de quoi tu parles? Pourquoi ça ouais. te dérange? Il faut comprendre le passif, pour pourquoi c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est justifié. C'est comme arriver devant un couple, tu sais, genre la, la fille échappe une cuillère, puis le gars comme « là, là, là », tu fais comme… Ça n'a pas de bon sens. Ouais. c'est Parce qu'il y a un passif, puis il y a quelque chose. Mm -hmm. Mais ces gens-là gens-là attendaient juste un moment pour que ça éclate. T'sais. Absolument. C'est sûr que quand tu te mets, quand tu n'essaies pas de les comprendre, tu fais comme, c'est quand même weird que tu sois prêt à sacrifier ta job, tout ça, tout ça, pour un petit pic-pic que tu veux pas, qui ne te rendra probablement pas malade. Mm -hmm. Ça paraît insensé, mais effectivement, c'était juste. C'est une réaction. c'est ouais, une réaction par rapport à une accumulation de quelque chose, tu mais ce qui est triste aussi, c'est qu'ils finissent par se convaincre entre eux. c'est-à-dire que là, tu sais, ceux qui étaient comme, on nous a installé des micropuces » puis tout ça, puis. Mais qui devait être une minorité de cette minorité. Non, non, mais ça c'est. sûr. Oui, oui, c'est les pires. Puis c'est, comme tu dis, c'est sûrement une minorité. Je reformule, c'est pas les pires, c'est les plus caricaturaux. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Puis je sûr, c'est plus les plus nombreux. C'est pas les représentatifs. Non, non, c'est ça. mais comme n'empêche que. Tu sais, t'en es où pour que ça, ce soit la réponse à ta... À ta, à ta... Moi, c'était ça qui me faisait de la peine dans ce moment-là. Tu sais, ceux qui en fait... Qu y a une trouva... détresse par rapport à ça, tu veux dire? Ouais, ou... mais que t'en en es à un point où tu as tellement plus de ressources autour de toi, tu as tellement plus de réponses en mm -hmm. game, puis tu tellement plus confiance non plus en... Parce que, tu as raison, tout le monde, on a eu un moment de... Pourquoi il euh, y, y a un couvre-feu, mais ça? Pourquoi, ok, genre, euh, on, euh, la fois du, de la game de hockey, tu sais... Comme par hasard, on lève le couvre-feu mmh. quand le Canadien rentre en CIA. Oui, mais je veux dire, de la, de la corruption, des décisions weird. De, c'est ça. Je il y, y en avait avant, mais c'est drôle parce que avant la pandémie, genre, toute la gauche dit c'est des corrompus, manipulateurs. Ouais. La pandémie, esprit de corps, la droite, mettons, un peu plus identitaire, ça, ça capare un peu le sujet de la, de, la, de la corruption ou des malversations. Puis là, tout d'un coup, la gauche fait comme... Les gouvernements, ils sont pas malveillants, là. <laughs> tu sais, comme moi, il y a deux âges militaires contre les exact. gouvernements. Mais ça, c'est... Mais tu sais, ça, ça je trouve que c'est un... C'est humain, c'est fascinant. C'est humain, puis on est en période de crise, mais pour dire qu'on n'a pas su comment réagir, puis face aux doutes, c'est ça que je trouvais... Hein, 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 moi, qui m'a vraiment marqué de la pandémie, à part toutes les crises de, 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 de comme, la peur, là... Mais c'était que la réaction du monde face à la porte on en genre juste avant. Le... Les excès, es, y a, y a, ben là, dans les excès euh, y a des deux côtés. Là, t'sais, mais t'sais, tout le monde était. C'était fucké comme époque. C'était peur. Hein? C'était peur. La on... Avant tout, il y avait une maladie qui rodait. C'est-tu la là. fin du monde qui arrive Ça va-tu ouais. être. Une... C'est quoi la gravité Peu importe la gravité, c'est le système économique, c'est ouais. le... ouais. tout ouais. qui tombe, plus de bateaux qui, qui circulent. C'était comme. Ces gens-là qui étaient en détresse déjà, en rupture de confiance eux, mettons, il y avait perdu, on va dire, la garde de leur enfant. Ouais. fait que là, ça, ça, ça affecte. puis je pense que tout le monde on a vécu le moment où l'État affecte notre quotidien. on l'a tous vécu pendant ben, la pandémie. Oui, pis mais puis on a une position privilégiée quand, quand l'État est tombé là. si vous dites moi, je ben regarde oui. mon parcours là, ben dans oui. ma vie l'État m'a pas mal payé des études universitaires. Mmh. l'État m'a jamais trahi moi, pas mal. Je pas je l'aime pas dans le sens que je pense qu'il y a de l'incompétence, ouais. mais ce que je veux dire c'est, je suis un privilégié Globalement, de les, des institutions. absolument fait que c'est facile après Puis ça de dire... C'est un produit je vois des institutions aussi. En plus, en plus. Fait que c'est facile de les écouter et d'avoir confiance quand ils t'ont jamais fait de chier. C'est ça. Mais tu sais, cette violence-là qu'on a vécue, imagine que ça fait 10 ans que tu l'as vécue à un point où on t'a enlevé la garde mm -hmm. de tes... Bien, t'as ça, ça, on va dire. Ouais. C'est évident. Mais tu sais, ces gens-là, moi, c'est eux qui vont trouver des réponses simples à des questions éminemment complexes, en fait. ça, ça sert à rien de juste juger ce, ce symptôme-là. Ben non, tout à fait. Et on l'a tout. humoristiquement, ça, on en a fait, non, en en a fait tout des oui bah oui, moi, ma solution simple, c'était des cons. Ben très ouais. simple, les faux. Ben oui, ça certifiait. C'est l'intelligence. Quand ça n'a pas rapport avec l'intelligence, c'est pas une question de QI. Ben, y a c'est un super intelligent qui ne veut pas savoir vacciner. Beaucoup plus intelligent que moi. Ben oui. En vrai, mais c'est juste que, ce que je... puis là, tu sais, ça revient au puis Ça au... légitime pas. En passant, je pense que le vaccin c'est une bonne affaire là, mm. mais je, je veux dire, ça en faisait pas des idiots non. ou des mauvaises personnes en soi. Ou des fois, oui, il y avait un côté plus individualiste que d'autres, mais c'est pas. Il y a plein, de... il y a des gens qui payent pas leurs impôts en moment, hein, puis c'est nos amis, puis on les ostracise pas, puis ils payent. Tu sais, quand quelqu'un vient au... travailler au noir chez vous là, tu fais pas comme oh toi m'a dénoncé sur internet, là. <laughs> là, <tu rire> fais comme, non non, ah. Moi, oh, oh, va aller. Oh, Ça genre, sauve 300 000 300. 000 oh, Ah ok, ben on oui. le oui. faire. Mais sauf que, tu sais, c'est ça moi qui me fait peur, c'est que c est, c est, ces gens-là, les, les Andrew Tate de ce monde, mais tu sais, les... Les, 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 les bros, les crypto bros, les, ouais. les bros sur Instagram de hustle. de, Bitcoin, pis de, pis de main, Ouais, là. qui nous expliquent qu'on se lève à 4h30. J'ai c'est ces tabarnak-là. Okay, y est pour hacker Il aime se coucher tard. Non, c'est pas vrai. C'est juste que. Non, c'est un modèle. Une blague, Phil. Oui, je sais, mais, mais je veux juste clarifier que c'est un nous, modèle. On a des enfants. Tu sais pas, à 4h30 du matin, avec oh « ouais, ah ouais, on va le faire. Tu vas-tu au gym? Tu je... lis-tu, genre, de je... la pensée? Tu fais-tu la méditation devant une lumière solaire? Tu fais-tu de la méditation? ben ils font ça ils ah, font okay. tout ça -là, ah, là, tu sais ces gars-là parlais de toi non non moi non ben, okay. je fais une sorte de tu sais j'ai ma spiritualité puis tout mais ce que je veux dire c'est que est pas loin de ces gars Andrew tu sais qu Uberman là c'est ça là, tu parles je veux, je en non, non, en moi, moi une parle de moi j'aime non, beaucoup non, non, euh... ils sont, sont beaucoup plus extrêmes ah, que oui. lui oh, oui non non si tu checkeras Andy Elliott, ah, oui. C'est checkeras... un vendeur de chars c'est stéroïdes québécois ou non américain quand je dis vendeur de chars et stéroïdes c'est au ça. c'est un vendeur de chars c'est stéroïdes mais qui fait d'autres choses aussi il explique comment vendre des chars puis non mais il explique aussi son, son vidéo, la, cette moi, vidéo... Moi, je rêve d'ouvrir votre app Instagram puis voir c'est quoi votre... De, ah, moi, aussi, de moi, il y a file. beaucoup de Parce que moi, il est mesure et des doudes hein, ah ouais. uh, qui qui, qui, qui Je comprends pas gars. pourquoi les gens vont voir des psychothérapeutes pendant des années pour se comprendre quand ils pourraient juste aller voir un psy ou n'importe qui fait comme... Check mes trois apps, là. check qu'est-ce que ça sort. Euh, c'est moi ça. C'est ça moi ça. Rire. <rire> moi, ça serait les très les algorithmes ont compris, je suis qui. Ouais. Ils m'envoient juste de ben, ça. C'est mon problème. Mais selon les algorithmes, moi, je tripe sur les vestons sur mesure ouais. et les <laughs> voitures vintage, ce qui n'est ben, pas, faux. pas faux. À date, les algorithmes. Euh... <laughs> J'ai une fascination pour les dudes qui crient aux autres gars qu'il faut qu'ils soient en chèque. Okay. Ouais. <laughs> Même si c'est genre de l'écoute. Euh, euh, de eight, détestation. Euh, ouais, c'est ça. Mais okay. ben, en fait, j'essaie de faire de quoi avec ça. C'est que ça vient okay. tellement me chercher que ouais. je reçois. Ça, je ça, reçois ça doit quand même venir. Non, il y a au zéro. Pas zéro. Non, non, mais y a zéro, zéro, zéro fantasme. C'est pas un fantasme. C'est pas une inspiration. Mm. C'est. Hey, ça me met en tabarnak. Tu veux comprendre, tu... Veux -tu comprendre ou tu, tu, ça te plaît juste d'être branché il y a beaucoup de choses. Je veux, je veux comprendre. Je, je lis beaucoup les commentaires des ouais. gens en dessous. Après ça, je, je, je veux savoir... Je veux c'est qu'à un moment donné, je suis en train d'accumuler... Ce, ce qui est frustrant pour moi, c'est qu'il dit ça, il répond jamais à un mes message. Ah ouais. Quand il répond pas à un, à un message... C est tu sais qu'il qu y train... des, des YouTubers américains qui vendent des chars ouais, des stéroïdes. Réponds, Il agresse, mais, à, à, Faut enregistrer, ouais. Carlis. Lâche ouais. le gars qui vend des chars stéroïdes. Mais il laisse, de comprendre. Laisse-moi finir juste. la fin de ma trilogie. Tu ouais. vas comprendre que c'est peut-être là que ouais. a, ouais. ça se ouais. tord. <laughs> Parce qu'après ça, il y a beaucoup de, de nouvelles sur Doualipa, mais tu sais, comme global. Dans ton fil, ouais. il y a des Le nouvelles Dua, sur Doualipa. Ouais. Okay. <laughs> non, non, c'est une joke, mais. Okay. Mais je sais qu'elle est célibataire depuis comme une semaine. Fait que, je connais pas. Je Je ne connais je... pas Doualipa. Ben, je veux dire, dire je sais qu'elle est venue à, à chez Aga ouais, il, y il y a deux, deux ans. ans, mais... Avant qu'elle arrive, là, une pas, hein. journée avant qu'ils disent qu'elle est là puis que c'est une vedette. Ouais. J'avais jamais entendu parler non, de ce nom-là. C'est nom, pour, pour ça qu'ils l'ont déconnecté. Pour ça Mais qu ils non, ont je sais qu'il qu y a beaucoup. Tu sais ce qu'ils font Ils savent pour chaque ils t'appellent. Ils font, connais-tu les Ben Non, non, non. Il y a pas de, il y a pas de snobisme dans le je connais pas quelqu'un. Je dis juste. Non, déconnecté ça. de certains en fait, sujets. on t'appelle pour, pour savoir t'en connais dessus sur Instagram je vois pas beaucoup sur Instagram fait que j'ai rien il est comme fresh parce que les reels à faire de même c'est pas ma méthode de consommation moi je suis beaucoup de Twitter fait que moi c'est beaucoup plus Twitter puis euh, c'est beaucoup, beaucoup trop de politique américaine puis de, 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 de républicains puis de gens tordus puis de trucs sur Israël c'est des grandes gueules puis effectivement moi un peu j', j', la même façon que tu consommes ça j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette radicalisation j'ai le pire des États-Unis politique mm -hmm. et commentariat. Euh, beaucoup trop de Fox News puis d'affaires toutes ces affaires là c'est c'est Alex ça, moi. Jones maintenant ouais puis de retour Oui, il est de retour sur Twitter fait que tu sais j'ai même bloqué Elon Musk dans, dans l'espoir que ça m'envoie moins d'affaires de même mais euh, moi mon Twitter ne parle que d'Elon de Musk de Alex Jones puis des républicains cool ce Alors, est, qui est, est relaxant. fucked up dans le sens où mais c'est là c'est pour ça que tu apprends quitter vraiment dans l'algorithme parce que j'ai la prétention de pas réellement m'intéresser à ça, mais c'est pas vrai. Mm -hmm. Clairement, je le regarde, puis je clique, puis effectivement, je vois les commentaires. Fait que tu peux pas mentir aux algorithmes. Je suis d'accord avec ça. Ben, mais, mais en tout mais cas les algorithmes te ce... mentent. Mais j'étais dans exemple. une loge, j'étais dans une loge du mot. J'ai bien dit Phil, les algorithmes <laughs> peuvent mais, nous mais, mentir. Parce que <laughs> moi là, apparemment Dua Lipa et moi, c'est fait pour exister, <laughs> puis je te dirais qu'à date... ça va être le nom de ton prochain show. Dua Lipa ouais. et moi Ouais, nom. Ouais. Peut... non. Gros mais je trouve ça bon J'étais dans une loge d'humour avec trois quatre autres humoristes là, tu sais, sont sur leur téléphone, puis ils font comme Il il y a de la porn sur Twitter, comme Ah Exactement. Il y en a beaucoup. Euh, oui. Mais ça a l'air qu'il y a de la porn Et sur non, Twitter. Hein? Ouais. Puis c'était trois humoristes, là, que je sais pas c'est quoi leur consommation, mais je, je savais même pas que c'était légal. de la légal. porn sur Twitter, puis ils montent, là, pis c'est de la vraie porn, là. Hein? C'est des, 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 des hardcore sur Twitter. Hein? Hein? Ouais. C'est fucked up, hein? Je savais pas. Non plus. Je sais même que pas comment je pourrais être. Si. Je clique, pas je sais pas, dans la recherche, ça, ça, va à un... de la non, sur... ça va être un article d'Atlantique qui parle qu'il y a de la porn sur Twitter. Non, non, mais, non. mais moi aussi, j'avoue que je saurais pas, pas. quoi... Mesdames et messieurs, Louis T et Philippe Audrey ne savent pas comment trouver de la pornographie sur Twitter. On n'a pas besoin de vos commentaires pour savoir comment. la pornographie. croit tous, on y croit tous. Ils savent pas comment. Mais sur je sais... Mais non, mais sur Internet, c'est sûr, comment. Mais sur Twitter, je saurais pas faire le mot-clic. Mais je pensais même pas que c'était légal. Mais c'est ça moi non plus, je pensais que c'était comme Facebook. Oui. Ouais. Y a-tu de la porn sur Facebook Y a-tu de la porn sur Facebook, Thomas non, jamais vu. Euh, euh, Thomas, on peut lui demander tout. Y en a-tu au IGA <laughs> Y en a-tu euh... ouais, <laughs> une y section a... porn au IGA Où y <laughs> a de la porn, toi <laughs> Où y Dis-nous. A... <laughs> Dis-nous, où ouais, Où est-ce qu'il y a de la porn que ça apparaîtra pas, qu'on en écoute, ouais. Thomas Ah, il y ouais. a euh... sa barre de recherche. <laughs> okay. Le meilleur truc de porn pour pas que ça apparaisse Stunning Animals sur Instagram. Hein? La première photo, c'est toujours un bel animal. Ouais. Puis là, c'est plusieurs photos. Puis après, c'est une super belle fille en maillot de bain. Fait que Stunning Animals. Tu à... Fait que si tu abonné à ça, ce que je veux dire c'est que ta blonde a dit Ah, oh, il est abonné à ça. Euh, c'est comme pour tricher. Ah ouais. ouais. Fait que t'écris Stunning Animals ce compte-là. Compte c'est un compte, Ouais. Hein. ouais. C'est brillant mais weird un peu en même temps. Sur Twitter, c'est assez sur Instagram. C'est assez porn pour. Genre, c'est. C'est une oui. joke ou genre, il y a vraiment du monde qui s'en sert pour tricher, genre. Je sais, je sais pas comment. Ouais. Euh... Toi, c'est quoi ton algorithme? C'est épouvantable. C'est des podcasts du stand-up des films bikini. Ouais. Ce ah ouais. qui te correspond. Ah ouais. Mais des filles en bikini, je veux dire. Tu sais, je veux dire. Non, mais je vais euh, va être un ah, peu cru. Non, mais je vais. En plus, c'est sûr, c'est pas les filles en bikini les plus élégantes de la planète. Non, mais ce que je veux dire, c'est-tu <laughs> dans un épisode. Euh, tu sais, quand tu veux te masturber, que tu regardes ça, ou non. genre, tu regardes ça dans des temps libres. C'est là. Tu es sauvé par la cloche en ouais. essai, hein? la cloche. Non, mais tu es comprends. Est-ce mais... que je veux dire. <laughs> Je suis hétérosexuel, je suis attiré par les filles dans une certaine mesure, mais je ne regarderai pas. Dans une mesure. Oui, mais je veux dire, peut-être. Je ne suis pas toujours en train de penser à ça, je suis pas ado, là, mais je regarde pas de boules, mettons, dans le milieu de l'après-midi. Tu sais, quand je ne vais pas me masturber, je regarde pas de boule. Je comprends. Mais toi, tu en regardes. Tu regardes-tu pas, mettons, pour connaître Doualipa Je ne sais pas de quoi de a l'air. Elle ressemble à un pond star Non, non, non oui. Non. Oui. Non. c'est oui. un compliment, là. Je veux dire, ça peut être oui. une belle fille, moi, oui, c'est ça? Oui. Regarde, regarde. OK, on va, on va finir sur euh, Phil qui te bon et qui doit Pop. Oui. Sur la censure. Non. Regarde, ça, c'est... Mais ben attends, on va... <laughs> ben, attends, ben, ouais. attends! Ah mais... C'est une, très... ouais, une, veux... une très belle je femme. C'est une très belle femme. Je vais te montrer Met Gala, tu sais comme là, elle était avec son espèce ben de... Non, mais de... Met Gala, c'est pas un exemple. Là, ben oui, oui ça marche. Euh, ben oui. oui, elle doit lui pas être... Moi, t'as montré à son mariage. Ben oui, c'est vrai. C'est sûr qu'elle a pas l'air d'une pointe. Non, C'est la fin de <laughs> l'épisode, c'est très agréable. Si check, c'est elle. Okay. Elle est magnifique, là. C'est une enfin, fille... Il dit, il dit pas qu'elle est pas magnifique. Elle a, elle a une élégance. Elle a un, 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 un style. Le téléphone est cassé aussi. Je sais, genre. Puis je, je... On revient au début de l'épisode. Euh... Ouais. Je suis tanné, là. Ah, Mais c'est... Ah oui, est une euh, elle pourrait être un, une ouais. porn star. Non, non, non oui. jamais oh, de ouais. la vie. <laughs> Non, non, jamais. Tu Il sais, y a des galas de porn star, là euh... après être là. Non, pas, non, vraiment pas. Ben oui, ben oui. Non pas, ben oui, mais ben pas, oui. pas Non mais c'est pas euh, réducteur de pas dire ça. Tout. Non, c'est pas ça. C'est juste que oh. elle, 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 moi je vois autre chose en elle. Oh, ouais. Je vois pas une artiste s'exprime. Hey, bah, moi, comme elle dit I Come and I Go. Houdini, je comme exactement. I Come ma... and I Go, ça c'est ton truc de porn Star. génial. Là-dessus. Non, non, elle dit Come and Go, Houdini, c'est exactement ma vie. Non, pas. Elle est très pas, puis comme c'est célibataire hey, puis ce que nom là plus tu le dis plus c'est ridicule. Son vrai nom, je veux pas écrire. Son être vrai nom temps. est, est albanais c'est euh, okay, ouais. pour ça qu'elle m'attire ah. au début, c'était c'était une un espèce de pont vers la culture albanaise. Alban... Pourquoi la culture ben, albanaise, c'est quoi ben, les Balkans, c'est fascinant comme pays, c'est vraiment un... Non non mais hey, c'est incroyable ouais. comment ouais. c'est lié à l'histoire occidentale contemporaine les Balkans. Mais à, oh, tous oui. les, à oh, toutes oui, les périodes. Les Première puis, guerre mondiale, ça à à 100% faute. les Balkans. Ben en fait, C'est l'Autriche, <laughs> c'est-à-dire que c'est l'Autriche, la la non, oh, non non non, de... mais c'est de... de... la seule de... l'Albanie, il faut que tu t'en. Oui, je sais mais l'Albanie, c'est un... comme le pays avec la Macédoine puis, hey, les gens sont déjà partis de façon quand il y a commencé, il y a pas personne qui font comme "Ah non, ils parleront pas plus longtemps des Balkans." Ah oui, ils vont ils veulent. Ah, on fait les Balkans éventuellement. Deux princes. Mais tchèque qu'est-ce qu'elle dit On s'en fout, deux princes.